Bonsoir Twitch. Bonsoir. Je suis le porte-parole de Maxime Robinet qui n'est pas présent ce soir car il est à New York City. Je suis à New York, Tout à fait Maxime, on te reçoit. Effectivement, on a une coupe. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Il a quelque chose autour de lui. Elle était bonne, on la garde. Est-ce que ça va, vous voyez tout bien? Bon, je mets une playlist en attendant. Yep. Quand Maxime n'est pas là, c'est vraiment moins drôle, je suis désolé. Fait du jus de cerveau, il se pleut. Ça va? Il a un peu mal à la tête, ça va. Attendez, vous l'entendez? Vous entendez Maxime là? Non. Et oui, Maxime, on vous entend en direct de New York. Alors, comment vous en êtes sorti avec vos New Yorkais? Alors, normalement, l'effet marche. Donc, dans le live, vous avez l'impression que je suis juste à côté de Fugo, là. Waouh. Normalement, ça marche à fond. Waouh. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on a vraiment l'impression? Attends, j'essaie. Oui, Maxime, je confirme que ça marche. C'est incroyable. Ça marche bien? Ça marche ou pas? Regardez, je répète, oui, Maxime, ça marche bien, on vous entend bien. Même si je voulais le saisir. Ça bug un peu. Incroyable. Ça glitch. Ça glitch ou pas? Ça glitch un peu, ouais. Ça marche? Ok, incroyable. Faites avoir les gogos. Alors qu'avec vraiment... avec lui, ça glitch pas une seule seconde. J'ai touché ton œil humide. Ah! Non, ton œil. C'était quoi que tu voulais faire tout à l'heure avec ton œil? C'était éteindre un feu? Quoi? Éteindre un mégot de cigarette. Avec ton œil comme ça? C'est efficace! C'est chiant, non? Ouais. En effet, nous avons avec nous du délicieux jus de boy qui est présent. Mascox aussi a sa version de jus de merde. Boy. Injectez-moi votre jus de boy! Ah bah, bonsoir, c'était une belle synchro. Vous l'entendez pas dans les micros en boucle, normalement ça devrait aller. C'est assez loin quand même. Hop! Personne n'a disparu depuis hier, non. Non. Bah non. Tout le monde est là. Non, on n'était que 4. On n'était que 4. On n'était que 4. Oui. C'est ça? Je me suis rendu compte d'un truc bête, les gens. C'est que j'ai prévu plein de lives pour après, demain. Mais en fait, demain, aussi bien je vais crever dans la forêt, avec Alexis. Et personne pourra changer. Tu sais, c'est le seul truc qui nous préoccupe, c'est genre. Merde, mais personne pourra changer le programme. Et ça, c'est chaud. Tu dis, on a pris un Airbnb en fait, mais. C'est ça, on va être baisé. Ah, d'accord. Ça fera quelques jours de vacances en plus. Hein. Bah, on profite de Reims. Enfin, j'ai pas vraiment de vacances, c'est cool. Oui. Zach Isolay, quoi. Salut Nekour. Qui ça? Bonsoir Nekour. Bonsoir Nekour. Il y avait pas un sujet d'expérience avec vous hier? Hein? Deux? Trois? Quoi? Un sujet d'expérience. Attends, quoi en vrai? Vous avez oublié cette information. Putain, c'est vrai que la caméra est là, je regarde là, moi. Je pense pas que t'es dans le cas, ça va, parce que moi je deviens calme. J'ai fait une Eric. D'accord. Je regarde, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Rappelle-moi, t'as Maxime, une sale c'est tête, regarde. Rappelle-moi, Maxime, c'est laquelle de caméra? C'est celle qui est là-bas. C'est horrible, on dirait un vieux monstre. Putain, Nekour, elle dit bonsoir à tout le monde, mais pas à moi. Elle j'avoue dit bonsoir, que Mascot, bonsoir Alexis. Elle dit pas bonsoir à. Bonsoir Maskimsi. Mais elle dit pas. Et bonsoir Croco à l'autre. Salut Nekour. Nekour, elle l'aime elle pas, pas trop. Dit, elle Croco. Pas Croco. Elle plusieurs, plusieurs fois, elle a dit fois, Croco me met mal à l'aise parce qu'il est, il est cringe slash ça terrifiant. Ça me rappelle une discussion difficile, effectivement. Mais bon. Merde, ça veut dire que je bosse comme un fou sur des trucs pour les jeter demain soir après avoir été mon témoin de mort violente atroce. C'est un peu ça, Gekmou. Yep. Et au moins tu le vois. Gekmou est en train de préparer un truc en ce moment que personne n'est au courant et qui est trop bien. Mais vraiment personne n'est au courant, il n'y a que Gekmou et moi. Je pense. Et j'ai complètement oublié, mais en vrai c'est un truc dont on a déjà parlé dans le chat. Mais je vais pas en parler tout de suite, sauf s'il veut en parler. Mais c'est cool. Sachez-le. C'est le retour de quelque chose qui vous manque, les gens. C'est tout ce que je dis. Qui nous manque? Oui. Le fond de l'affaire? Ma mère? De l'infection. Papa. Tellement de violence en deux. Fils. C'est mon petit papa qui est venu après
Squeefy, je suis de retour. Je suis là. Et on part tous les deux maintenant. Je me rappelle même plus de la voix que je fais pour le faire, parce que c'est pas la voix. Non, la voix de base, c'était fils. Et sauf que là maintenant, c'est vraiment genre fils. Il avait du grain. Mais sauf que je l'ai alourdi. Tu l'as. Ouais, mais. Ouais. Les Globipornes, non. Triste nouvelle, oui. Le retour de Chronique du Nécro. Non, toujours pas. Necronomicon, c'est fini. Daniel vainqueur, tout à fait. Oh purée. Il faut une IMO, sachez-le. Ah putain, j'ai une. C'est vrai, sachez-le. C'est trop tôt pour spoiler, si ça se trouve, je vais juste cramer. Ça, j'avoue, Gagon. Le retour de Triste nouvelle, encore. Qui avait du gras? Quoi? Hein? Non, du grain, les gens. Ah, du grain. Moi, je sais qu'il y a un projet qu'on a mis de côté depuis très longtemps qui pourrait être. Parce que je cherche qu'est-ce que Gekmon pourrait faire. J'ai une petite idée. Je non, pense que oui. Proposer et je ne dirai rien. Monsieur Balèze. Non, alors là, c'est. Alors, par contre, ça, je peux apprendre. Non. Moi, je, FMV. Moi, ouais, le FMVCM, c'est le. FMVCM, ça où... pourrait très bien être ça, c'est vrai, mais non. Ok, très bien. Pas d'autre faire. Mais un jour. FMVCM, je pense que je mettrai Gekmon dessus un jour. Oh, le jeu vidéo Globtopia. Ah, alors ça, c'est encore plus c'est complexe. Ça, ouais, ça, moi, ça me paraît parce que c'est un truc qui va sortir. Prochainement ça, le truc que Gekmon fait en ce moment. Ouais. Ah oui, le but, je pense que si Gekmon est ok, je pense qu'il peut sortir d'ici la fin de l'année. Globtopia, c'est pas de mon côté, c'est très simple. Parce que j'ai pas grand chose à faire. De son côté, c'est un peu plus complexe, mais il est vachement avancé. Ah, j'ai mais c'est un truc. C'est quoi SMV? Alors, c'est FMV, comme Full Motion Video. Et c'est ACM parce que c'est à choix multiple. J'allais dire un truc lié à Oxide JDR, mais je pense pas que tout le monde attende vraiment beaucoup Oxide JDR. Ouais, en fait, c'est le tout le monde l'attend. Oxide JDR n'a aucun rapport avec Gekmon, mais arrive effectivement. Il sera d'ailleurs disponible en bêta dès le mois prochain pour le tipeur. Qu'est-ce que ça peut être? Je pense que les gens se rendent pas compte que ça leur manque, c'est tout. Mais je suis sûr que quand ça va revenir, les gens seront contents. Ouais, là ça me... Salut Lady Blackwood, 93-96. 13, pardon, putain. En vrai, si je suis suffisamment motivé, ça peut sortir d'ici la fin de la semaine. Mais je vais avoir Gekmon chez moi samedi, donc je pourrais pas trop coller. Trop occupé à baiser sa sœur. Et sur ce dernier mot... Ah oh bah, il sait de quoi il parle, le monsieur. Alexis, parce qu'Alexis, il a une sœur. Vous pouvez aller trouver ça. Oh merde. Ça s'est trop étagénaire. Il était pas vrai. Oh, la balle perdue. Waouh. Ok. Coupez je veux plus qu'elle vienne des Gekmon. Merci beaucoup. Personne n'en a aucune idée. Tentacle Blue. Tentacle Blue. Ah si, je le vois là en fait. Coucou. Merci pour tous ces lives. Merci. Je trie mes POG devant plus petit. Trop bien. Attends. Attends, c'est POG. Ouais, mais c'est pas ceux que tu penses. Les vrais? Ça, c'est des piss off. Garbage. Peut être des pieces of garbage. juste les boueurs en fait. Ouais. D'ailleurs, en parlant de live, vous étiez là au live hier? Vous aviez intérêt. J'espère que vous étiez là hier, avant-hier, et que vous serez là demain surtout, parce que demain c'est quand même pas n'importe quoi. Si ça ne marche pas, nous ne le referons plus jamais. Vos t-shirts sont super, mais où les avez-vous eu? Alors, c'est très drôle, il y a un intrus. Essayez de trouver c'est qui. Je sais pas si ça se voit en vrai. Moi je te l'avais mentionné justement, que ce soit pas trop. Et là tout le monde dit ouais bah il y a celui qui est un peu plus jaune que les autres. Ah. Je pleurerai de rire. Salut Émilie de Verdun. Eh mais il y a une Émilie du coup. L'autre fois j'avais dit Émilie, j'avais fait une blague avec le prénom Émilie, mais je sais plus c'était quand. Je crois que c'était un rêve. Je crois que c'était. C'était le plus rond. T'es dingue, t'as rien le nez. j'ai JDR demain soir, je suis triste de ne pas pouvoir être là. C'est vraiment un truc à voir en live, sincèrement. Il faut ouais, décale. Parce que je pense qu'après ça fera genre, bah c'est juste une vidéo quoi, donc c'est dans ton JDR. Oh, c'est bien, ça va bugger dès le début, tu sais. J'ai une technique pour toi. Dans ton JDR, ce que tu dis à un moment, tu dis, vous rentrez dans une pièce, dans cette pièce, il y a un écran qui est allumé. Regardez. Étonnant. Et il se passe quelque chose à l'écran. Tu prends des trucs qui vont se passer demain, je sais pas, avoir une biche ou une connerie comme ça. Je sais pas s'il y a des biches là-bas, mais du coup, tu vois la biche. Et tu l'intègres dans ton parti, tu vois. Triste nouvelle 2, Maxime nous explique que Aleski part en Tasmanie élever des possums et Kevin nous... Kevin ? Quitte vivre son rêve et devenir un perroquet. Ça arrive. Tu penses qu'il va y avoir un triste nouvelle juste pour c'est fini, hein, Bidule. Bidule, c'est mort, vous l'avez tué, vous, les gens. C'est expressément Duck Nockmoose qui l'a tué. Bah ouais, mais bon, si vous regardez pas les lives, les gens, faut pas s'étonner qu'on fasse plus de live, hein. Pourquoi la musique de Minecraft ?
C'est vrai que moi... c'est vrai que ça ressemble vachement à la musique du Minecraft. Moi, je me suis dit, il y a un truc d'ouvert. Mais non, c'est moi, je l'entends. C'est la musique. Je le reconnais direct. Hein. Salut Leto. Leto, le meilleur. Le meilleur. Leto, l'autorité, Leto. Il m'a jamais répondu. Je lui ai envoyé des bêtas. Le mec m'a même pas répondu. Salut, poteau. Il n'a plus rien à foutre, Leto. Il m'a dit, mais mec, tes petits trucs d'enfant, ça me saoule en fait. Wow. T'as même pas essayé là, tu sais. Thanks forever. On ne m'arrête merci plus. Beaucoup. C'est Cult of Lamb. Attends, quoi, c'est Cult of Lamb? Tout à fait. Merci, Gazariel. By the way, Globtopus, je me suis maté le Manoir des Cauchemars il y a quelques jours et bon Dieu que cette saison m'a réconcilié avec Sombre Machination. Réconcilié? Ouais, j'avoue, qu'est-ce qu'on t'a fait? Quelle était folle, un pur plaisir, c'était brillant, excellent personnage campé par d'excellents joueurs et une ambiance extrêmement travaillée, ça fait plaisir. Donc réconcilié. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas d'exemple, il n'y avait pas d'ambiance travaillée. C'est-à-dire la bise du temps. C'est ça. Rappelons-le. Non, mais j'ai regardé que la ferme Fletcher, et là, bon, oui, celle-ci était un peu mieux. Doc Noc Mousse, c'est horrible ce que tu dis. Après, il y en a qui des gens qui apprécient pas la bise du temps. C'est des cons. Ils n'aiment pas la deuxième partie, ils préfèrent la première partie, et vice-versa, c'est trop bizarre. Bah après, dans la bise du temps, j'aime pas toutes les saisons. D'investissement. Bah, c'est qu'elles sont indépendantes. Ça va, ouais. Elles sont indépendantes. Combien de personnes ne regardent pas, c'est trop long. Ouais, en vrai, Urbex, en vrai, je trouve vraiment elle a bien bien marché. L'abysse du temps a mieux marché que Delta Green à son époque. Et mieux marché que les saisons en général. Ouais, parce c'est qu'en cool, fait, ouais. Chaque saison est vraiment indépendante. Donc, j'ai cru que c'était du vieux spam de merde encore. Désolé, mon BFF. En vrai, il n'y a que l'audio où j'ai pas fait de retour encore. Bah, c'est ça le plus important en fait. Wow. En parlant de série d'anthologie d'horreur, quelqu'un a regardé Cabin Curiosité de Guillermo del Toro, pardon? Non, parce que j'attends d'être à Prague la semaine prochaine pour le regarder. Oh, pendant, bonne idée. Mon gros taf d'orpérage. Non, parce que toute l'équipe vraiment, compte sur toi. Je dois vraiment faire des repérages à Prague, c'est vraiment important, mais pour être honnête, je pense que ça va me prendre une petite après-midi. Mais du coup j'en profite aussi pour aller en tu veux juste passer, tu vas regarder dans une rue, tu vas faire ouais c'est pas mal, ouais c'est joli, genre. Tu vas même pas rentrer, tu vas faire non mais c'est bon, il va faire ces trucs là, il va faire... non mais je connais, c'est bon. Je te demande pas l'autorisation, ça sert à quoi. Ouais, il va se faire prendre en photo comme ça et comme ça il va prendre une photo là. Mentale, il va faire voilà. En parlant de ça, ben, genre lis la même chose. Ah ça y est, c'est sorti, j'ai à mater ça prochainement. Oui, je n'ai pas vu Terrifier 2, il paraît qu'il est vachement bien. Le premier je l'ai beaucoup aimé. Après je reste sur le fait que c'est un film extrêmement gore qui ne se prend pas au sérieux, donc c'est pas pour tout le monde. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé Terrifier 1. Et pour le coup, ça c'est le vrai clown le plus flippant, c'est pas Pennywise. C'est lui. Lui et Krusty. T'imagines, tu penses qu'il y a des gens qui ont peur de Krusty? Salut les enfants. Et quand il est à moitié démaquillé et qu'il clope là. Donne la dégueu, j'ose pas lui dire que depuis le début je déteste absolument tout ce que produit l'équipe. Je suis piégé dans une boucle, heureusement que je peux parler en MP avec toi, ça fait du bien un peu de vider son sac. J'aime bien parce que Leto il fait pas zieux, il fait zieux. Parce qu'il a... En fait c'est une araignée. Oh et le big reveal, Leto c'est une araignée. Ça te baise. Ça me... En vrai ça me réconcilierait un peu avec les araignées. Bah ouais tu dirais, mais en fait... Mais t'as pas remarqué que depuis... Enfin je fais des efforts par rapport aux araignées, j'en ai tué pas mal. Mais pas de... Ouais, j'en ai buté une comme un bâtard. Ouais, moi j'ai juste... T'as l'image de moi qui la gâche. J'ai juste eu moi qui a fait... Oh, il y a une araignée là. Et dans ma tête, ça fait... Elle est morte. Ouais. C'était tellement... Ouais, mais elle était dégueulasse. Elle était dégueulasse. Il n'y a pas que les araignées hein, qui subissent le courroux de Maxime. C'était une coccinelle tueuse. C'était quoi? J'étais pas morte, hein, solide. En passant, je l'ai raté avec la brique et je l'ai juste jeté dehors. C'était quoi, que t'avais fait C'est genre mort instantanée. Mort... Non, C'était foudroyant. Ça, c'est foudroyant. Pendant et ça gazait tout. Là, et il se mettait du gaz. Et c'est foudroyant. C'est foudroyant. Ça va Maxime? Le terme était un peu fort, mais les deux dernières saisons de l'Abysse du Temps m'ont vraiment pas accroché parce que je suis un putain de sexiste de merde. En fait, il se trouve que je déteste les femmes et j'estime qu'elles ne devraient pas exister. Yep. Ok, Doc Nocmous, c'est cool. Non, et comme elles se sont enchaînées, c'était ma dernière expérience en imagination que j'avais moins appréciée que le reste, voilà tout. Ça m'a vraiment toujours emmerdé de ne pas les avoir appréciées d'ailleurs. Les saisons qui arrivent, elles sont quand même relativement méga mais ouf. Mais c'est parce que c'est des sorcières. Sorcières grenouilles. Grenouilles, Doc Nocmous. Hein? Il a peur des grenouilles, Doc Nocmous. Voilà, il aime pas ce qui est bien. Quoi? Ouais. Les deux dernières saisons de la Bise du Temps, c'est sur des sorcières. Sorcières. Qui a peur des grenouilles? Doc Nocmous. C'est mignon comme tout, les grenouilles.
En même temps, Mascox, toi t'as peur des... Des crocos. T'as peur de quoi? C'est quoi ta plus grande phobie? De se voir. Bah, j'allais le dire. Ouais, en vrai. Je suis en train de travailler sur celle des araignées, donc... Toi aussi? Ouais. Moi j'essaye. Ça va mieux. Soit je les mange, soit je les tue violemment. Non, moi je les laisse vivre. Il les mange vraiment, ce con. Ah oui, ouais, il est vraiment... Il fait... Oh, oh. L'idée que t'as pas... Putain, hier, quand on rangeait le Du coup, le vertige, tournage, je pense, du coup. Vertige, ouais. C'est le vertige qui va me taper le plus fort, maintenant. Yeah. My name is Vertigo. Du coup, hier, on rangeait, et il y a un insecte qui est rentré dans ma bouche, et qui est allé dans ma gorge, et il a raclé dans ma gorge. C'était... J'ai senti ses pattes racler dans non, la gorge. Non. Du coup, j'ai toussé au point de presque m'en faire vomir. C'était très étrange, parce c'était... que... En fait, moi, de loin, imaginez-vous que je suis en train de ranger aussi. J'ai juste ma lampe... Dans le noir total. J'ai ma frontale. Et j'étais dans le noir total. Oui, oui, oui. Et Maxime qui commence à tousser. Et je me dis, oh, il fait semblant de faire un truc. Et je le vois qu'il tousse vraiment fort. Et là, pour moi, d'un seul coup, c'était... Qu'est-ce que je voyais? Je voyais des pattes d'araignée qui sortaient de sa bouche, qui lui reprenaient le visage. Il dégueulait une centaine de milliers d'araignées et qui attaquait tout le monde. En vrai, c'était un peu cool. Et Mascox, tu vas faire peur à Croco. Voilà, peut-être calme le jeu un peu. Un peu Jude Boy. Duck Knock Mousse, en vrai, on t'aime bien, même si t'as des mauvais goûts. Et que t'as peur des grenouilles. En vrai, je dis ça, mais je comprends qu'on aime pas certaines saisons sur mon imagination, parce que moi, il y en a que j'aime pas, et que les gens adorent, et il y en a que j'adore, que les gens aiment pas, donc... comme je dis souvent, la vie, quand même, hein. D'ailleurs, c'est quoi le pool aujourd'hui, c'était quoi? J'ai pas regardé. C'était pas la perspective démente contre... Parle dans le micro, Alexis. Perspective démente contre, mince, celui qui a gagné le tus d'avant. Je sais pas. Ah. Maison des poupées. Mais juste avant, il y avait pas un truc genre l'abysse du temps contre si, l'île... Un homme seul. C'est avec un homme seul. Un homme sans histoire, merci putain. Perspective démente contre un homme sans histoire. Je suis désolé pour un homme sans histoire. Ouais. C'est con, mais... Ah, j'ai vu le pourcentage quand j'ai voté, j'ai fait « Waouh, c'est violent ». Alors c'est con, parce que un homme sans histoire, elle est bien. Une bonne partie de l'équipe est là, vous allez faire un JDR, TN Candle, Mraou, on va faire The Next Best Thing, je sais pas le prononcer. On va faire Rituel, qui est un jeu de société sur le papier. Mais je peux vous le dire, pour avoir parlé avec son créateur, qui s'appelle, je vais lui dire son nom bien parce que je suis pas certain, voilà, Nicolas Levif. Nicolas Levif, c'est quand même rigolo comme nom. C'est... De Maxime Robinet. Ah mais c'est vrai, c'est rigolo. Et du coup, c'est bien vu comme... Une initiation au JDR un petit peu. Un truc entre le jeu de société et le jeu de rôle, vous allez voir ça ce soir. Et ça a l'air vraiment très cool. Et c'est franco-français. Et je rappelle que tout ce live de ce soir, et j'ai pas mis le logo parce que j'ai complètement oublié de le mettre, mais je vais le mettre, est en partenariat avec Game Spirit. Je vais mettre le logo. Pareil. Blablabla. Oh, il est trop le logo. Bon. Il y a le logo de Game Spirit. De quoi? Le logo de Game Spirit. Redis-le parce qu'on est payé. En fait, on gagne le logo de Game Spirit. Avec Game qui Spirit. Avec qui Maxime Robinet est en partenariat. Globetopus est en partenariat. Mascox, dis une phrase longue sans bégayer maintenant. Je vais dire maintenant une phrase longue sans bégayer. C'était pas long. C'était pas long. Alors, si vous considérez que cette phrase n'était pas assez longue pour vous, j'en suis désolé. Mais je peux continuer si vous le souhaitez. Là. elle était pas mal longue. Ok. Et sinon, alors. Je chie dans la colle. Surtout qu'il y a plein de mots compliqués, donc on va essayer de le faire sans chier dans la colle. Ouais, vas-y, Mascox, tout le monde croit en toi. Awake contient de. Des connards. Awake. Mais tu rigoles. Bien. Ça me fait rire. Awake contient de la niacine, de l'ac. De l'acide panto. Ténique. Ok, ouais. Pantothénique. De la vitamine B12 et du magnésium qui contribuent tous à la réduction de la fatigue. J'ai du mal à lire, en plus, c'est comme ça, c'est chiant. Quelqu'un qui a mis le smiley médiocre. Ouais, médiocre. Je sais pas de quel chien il vient. De plus, ouais, les vitamines B12 et D ainsi que l'acide folique contenu dans Awake contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire. Tout à fait. Cette boisson contient également de la caféine. Wow. Ça va. On ne va pas dormir ce soir. Il a bu combien de verres? Bah la bouteille. La bouteille. Mais ça, j'ai bu toute la bouteille de... Oh, je vais me pisser dessus. Oh. Oh merde. Oh merde. Regardez la caméra et faites un... Attendez. Attends, ça
c'est en basse qualité, non? Attends, je fais une maximum mini. Il y a un mini live en fait là. Ah ouais, c'est vrai on qu'il y a un mini aussi, live, ouais. Trop bien. Quoi? Non, on le voit aussi sur OBS. Oui, bah on le voit dans le... Ouais, ça c'est un vrai live là. Attends, je remets... Oh merde, c'est l'écran en fait. Ouais. Eh, j'ai pas réalisé. Non mais je suis con, hein. On le rappelle. Hein. Attention, et regardez la caméra. Attendez. J'ai reçu un mais putain. Attention, restez loqué. Qu'est-ce qui branle? Je ne sais pas. Ta mère, pourquoi ça va? Attendez, on le refait. Oh. Mais pourquoi il baise le truc? Ozrin, dépêche-toi. Un screen. Pas du tout retouché. Mais pourquoi il fait chier? Bah écoutez, non, il veut pas. Non. Le fameux passage du clavier du français à l'anglais, non, peut-être. Non, peut-être pas. Bah c'est trop tard. Non, mais c'est tout. Ok. Et finir figé à jamais, j'avoue. Bah, quelqu'un peut me faire un screen du live et me le tweeter. Merci. Hop, je vais mettre le chat. Puni. Vous le direz. C'est pas très grave, au pire, vous voyez juste le chat. Hein. Tu pivotes un peu, au pire. Hop. Mais on dirait vraiment Maskim sur la boîte. Quoi? C'était cette boîte-là? Ah, sur... Ah, c'est... Attends, mais c'est ton... Mais ouais, si vous voulez. On dit ça. Très féminin, Maxime. Après, Maxime, il a quand même des traits très féminins, quoi. Attendez, on fait tous la pause pour que quelqu'un fasse le capture et l'envoie sur le machin. 1, 2, 3. Vite! Et il faut qu'il nous dise. On attend qu'il envoie, t'sais. C'est bon. Et là, il a juste la capture d'écran, mais au moment où on arrête, on est flou, tu sais. Ah. Est-ce que quelqu'un va l'avoir fait? Personne. Ah, c'est une femme. Bah, c'est pas grave. Vous pouvez me convaincre avec une femme, mais pas mal le prendre. Tiens, un beau très screen. Belle femme. Alors, il y a Leto qui a fait un screen, je suis sûr que ça va être de la merde. Ça sent la c'est un screen random en 480p. Pas mal. Pourquoi j'ai des viewers de merde? Tu veux qu'on change les viewers? Et change les viewers. On se retrouve avec la commu de McFly. Putain, la commu de Sardoche. J'essaye d'aider à mon échelle. D'idée. Yep. Oh la vache, c'est un escabeau à ce compte-là. Les échelles. Non, ça va trop loin. Ça te fait peur toujours les échelles, toi. Reroll. C'est vrai que ça, c'est ton truc, ça, les échelles. T'as toujours eu un truc avec les échelles. Hein. Archarnar, pourquoi ton pseudo me dit vraiment quelque chose d'un coup? Arcanar. Chipo. On lit enquête troublante? Peut-être. Non, je sais pas, ça me dit d'un coup, ça me flash un truc genre, tu connais cette personne. Souviens-toi. Était semé de novembre. Non, je sais pas, d'un coup, ça me flash. Peut-être pas du tout, hein, genre. Après, vu tes icônes et tout, t'es pas là depuis hier, donc c'est, peut-être des fois, c'est juste ça. Hein. Salut, Herpodix. J'ai inscrit en 1080 qui vaut 1080 pour l'avoir. Ok, Don Dadigos, envoie-le et puis je te fais le virement juste après. Je t'ai vu à Gaming Race. Je suis venu à Gaming Race. On était en tournage au moment de... Je crois que je suis jamais venu à Gaming Race. Ouais. Enfin, en tout cas, s'il parle de l'année dernière ou cette année, je sais plus. Tu parles pas plutôt du Fige ou de Octogone? Ah, cher Arnard, ça me fait penser au pseudo du pote de Pi. Ah, c'est peut-être ça, ouais. C'est peut-être ça, ouais. C'est louche, dans le doute, je l'ai supprimé. Putain, ouais, c'est tout. Ouais, pas de live. Merci Papy Polka, il en a fait un trop beau. On remercie Papy Polka qui est le meilleur viewer de ce soir. Merci. D'ailleurs, le seul hein, pour Papy moi. Papy Polka, merci à toi. En vrai, déjà, Papy Polka, j'ai toujours apprécié cette personne dans le chat. J'ai déjà dit plusieurs t'as fois. Toujours dit, il t'as un toujours dit pseudo. Papy Polka, ce mec-là, il est comme ça. Ouais. Ça remonte à quelques années, 2017, 2018. Mais j'étais pas. Faites-lui des vrais sourires. Tu fais des cœurs, c'est les pires. Tu sais pas faire en fait.
T'as pas compris. C'est des cœurs déformés, regarde. Mais c'est pas déformé là, c'est genre. Mais qu'est-ce que tu prends? C'est des grands cœurs. C'est des papillons. C'est pas compliqué, même moi j'arrive à le faire, putain. Mais c'est pas des. C'est des papillons. T'as jamais dit ça, Maxime, tu en sais faux. Mais tes papillons, ils ont vécu la guerre. Et alors? Ils ont vécu la guerre. La guerre des papillons. T'as jamais vécu la guerre des papillons, Maxime? J'ai vu tant de morts. Et les ailes cassées, t'y penses? En fait, c'est pas vraiment cassé. C'est, juste... c'est quoi un aile cassée? Bah, c'est juste des soldats qui ont touché les papillons et ça leur a enlevé leur pellicule. Et... Trop bien. En parlant de ça, j'ai vu beaucoup de papillons mourir hier, malheureusement. Ça a fait. Ah, mais c'est du feu! Pas que, hein. Des coccinelles, des araignées, beaucoup de choses. Les poules, les poires, vous avez les échelles, une baleine. 50 écoles. J'ai vu des multiprises pendues à des arbres. Une autre. Du sable aussi. J'ai vu bon Maxime, sable. J'ai vu des par la bouche. J'ai vu des connexions mourir. Ok. On crée notre. Et en plus, alors dis-toi que t'as la pire tête alors que moi je suis rasé. Du JDR original où vous interviendrez. Waouh! Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai dû faire un malaise vagal ou je sais pas quoi. Ouais, je comprends. Ça arrive. J'ai ressenti le bonheur pendant quelques secondes. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Le réseau aussi, j'avoue, Père Molle. Mais au début, à la fin, il y a plusieurs Game Spirit à part celui de Lyon. Pour l'instant, non. Enfin, je ne crois pas. Mais sachez que ouais, ça sera un gros partenariat avec Game Spirit. On est en train de préparer des gros trucs. C'est possible que vous en entendiez bientôt parler si vous êtes dans le coin de Lyon. Allez les soutenir. Ah, j'ai cool tellement en envie d'envoyer cette canette dans ta putain de gueule, Alexis. Mais n'hésite pas, en fait. Soutenez vos créateurs indépendants et magasins indépendants si vous pouvez. C'est bien. Oh my fucking... Mais le oh my god, ça vient de Rich Evans. Oh my god. Pour moi, ça vient de Auntie Donna. C'est où et quand? J'ai pas c'est la à Lyon. Internet. Et c'est un magasin qui s'appelle Game Spirit. Et c'est, si vous y allez, et que vous, ou sur le site, et que vous utilisez le code de réduction GlobiReduc, je crois que vous avez des grosses réductions dessus. Genre l'ordre de 10%, peut-être. J'en sais rien. Ce qui est pas rien, hein. Ça va bien de Troll 2. Alors, ouais. Si, il y a Troll 2, mais c'est pas le même Oh My God. Par contre, le Oh My God de Rich Evans est culte. Tu fais la tête, Alex? Rich, je le vois pas. J'ai pas. Bah, on vient littéralement d'en parler. Ouais, mais je vois pas ce que c'est. Bah alors, partons. Parce que moi aussi, non. Je peux parler de choses et de pas voir ce que c'est. Comme le bien et le mal. Mais oui, ils avaient un stand à Octogone tout à fait avec nous. Ça allait niveau drop, Maxime m'a assuré, il est vraiment devenu un drop bender, tout à fait. Il y a des réducs, si on utilise le code de réduc, oui. GloobiReduc, et vous aurez une super réduc, en majuscule GloobiReduc, je crois. Alexis, dis-moi. Moi. Non ! Bats-toi ! Bats-toi ! C'est vraiment... Ah mais il était là celui qui manquait. Le fait que son cou bouge le fait que son cou bouge un petit peu, bordel. Regarde, je vais le remplacer. Merde. Le casse pas, hein. Oh mais il est terrible. Wallon. Till the very next day. Son bec est peint. Eh, tu critiques pas son bec en fait, où il t'éclate la gueule. Il t'éclate la gueule. Molokaira. Eh, t'as pas trop parce que son cou est vraiment fragile. C'est vrai que bah, il bouge beaucoup en fait son cou. Yep. Oink oink daddy, putain. Alors, pendant deux secondes, du coup, je viens de me fixer sur une taxidermie de putain de canard qui parle à un micro. J'ai eu une petite phase là, deux secondes. C'est terrible. J'aime beaucoup. Alors sinon, Monsieur Canard, comment allez-vous aujourd'hui? Monsieur Canard? Mais t'es un malade, toi. Madame? T'imagines si on t'appelle Monsieur Humain? Alors, Monsieur Homo Erectus? Est-ce que vous pouvez nous montrer votre passeport, s'il vous plaît? Comme ça, on peut être sûr de votre... identité. J'ai mes deux canailles qui m'ont vu regarder Drama et Dragon. Je leur ai expliqué le principe. Et à ma grande joie, je vais leur préparer un PMT. Elles ont 6 ans. C'est trop FR. Enfin, c'est quoi PMT? Porte mon trésor. Allez hop. Je le savais du coup. Père Molle, bah c'est cool. Est-ce que tu as regardé Sombre Machination?
pour faire jouer à des enfants de 5 ou 6 ans, je vous conseille même Cult et... Cult pour les enfants, c'est très bien. Il s'envole. Fallait le tenir, t'es malade. Et il attaque Croco au visage. Croco, non, non, non. Coup de tête dans l'étage. Croco, oui, oui, oui. Croco, oui, oui. J'ai commencé à répondre la bonne parole au travail. J'ai parlé de sombre machination à deux collègues. Ah. Ce n'est pas assez. Continuez. Souvenez-vous que vous devez tous trouver deux amis. Non, c'est bien. Continuez. Qui cotiseront. J'avoue qu'on a tous les quatre un t-shirt tenir. Alors je me suis dit, on va se mettre dans une ambiance culte. Donc je me suis dit, quoi de mieux que Mir. J'avoue que, est-ce que Alexis, allez hop, Adrien de Mir peut le voir, quoi. Ah, mais c'est monsieur Adrien de Mir. Attendez, je vais l'appeler. Monsieur Mir. Je fais ça pour pas que vous voyez son nom. Oh, on le voit. Vous êtes bien sur le 06. Ah, il est dit super vite. Monsieur Mir. Monsieur Mir. Je suis en live. Est-ce que tu peux mettre le live, s'il te plaît? Juste deux secondes. Pour que tu vois l'écran. Tu vas pas le regretter. Ou peut-être que si, je sais pas. Attends. Il met longtemps, hein. Je te mets en haut-parleur. Hein. Voilà. Globetopus. Twitch.tv/Globetopus. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? T'as vu ou pas? Attends, je suis pas encore là. J'arrive au live. Là, il y a un live de JDR. Attends, j'arrive, autre chose. Il y a un truc putain. Antoine mais Daniel, attends, c'est vachement bien, ouais. Quoi ça? Mais ils ont tous des t-shirts de Mir. Et oui, oui. Parce que ce soir, on fait un live sur le jeu Rituel, qui est à une ambiance un petit peu sombre et qui parle du coup de Rituel. Et je me suis dit, mais c'est trop drôle qu'on fasse tous partie du même culte. Et du coup, on a tous un t-shirt Mir. Enfin, il y a quelqu'un qui a pas vraiment un t-shirt Mir. Ouais. D'ailleurs, on t'a vu lundi à la télé. Oui. De quoi? Bah oui, il y avait Adrien. Ah oui, c'est vrai, Adrien. T'étais dans le Globi Ciné de lundi. Enfin, moi j'ai pas dit ça, moi je t'ai défendu. T'as plutôt oui, défendu ouais. Adrien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais voilà quoi, sache-le. Ah bon, merde, pourquoi? C'est pas. Alors. Je pense que pour nos relations amicales et professionnelles. Ne regarde pas que tu regardes un Merde, je crains le pire là. En vrai, non. C'est un personnage de redneck horrible qui te ressemblait. Très vaguement, mais qui était abominable. Genre vraiment abominable. Mais du coup, c'était très drôle. Mais en vrai, Adrien, tu ne ressembles pas à un redneck américain. Ça va. Pas américain. Je rappelle qu'ils avaient tous les deux des reptiles. Hein. C'est vrai qu'ils avaient des reptiles. Ouais. Ils avaient un crocodile. T'aimerais bien avoir un crocodile? Oui, j'aimerais beaucoup, mais il faut pas le dire, Ophélie. On en a un, si tu très veux. Bien. On en a un, on peut te vendre un crocodile. Mais il est vivant ou il est mort? Il est vivant, oui. Vaut mieux que ça reste comme ça. Ah, mais c'est Crocodile Rose! Bah oui! C'est trop bien. Ah, merde. Eh ben écoute, mon cher Adrien, je te dis à très bientôt, parce qu'on a plein de trucs à discuter. Et carrément. Bisous, bisous! Et fais de beaux rêves, n'oublie pas qui tu es. Je n'oublierai jamais. De toute façon, Alexis sait pourquoi. Et là, Alexis, il est détenteur d'un grand secret, donc je l'ai pas dit aux autres, mais Alexis, voilà, il est détenteur d'un secret sur ce qui va bientôt sortir, donc voilà. Yep. D'accord. Yep. Ouais, mais je me souviens du secret, hein. Il est en tout cas en sécurité avec moi, c'est sûr. Ah, apparemment, il s'en souvient pas. Il s'en souvient très bien, apparemment. Bah, il faut mieux quand même, parce que si tu t'en souviens pas, je suis pas dans la merde pour le serveur, hein. Enfin bon, bref. À bientôt, Adrien. Salut. Je pense qu'il va falloir que t'appelles Alexis bientôt. À bientôt. Allez, des bisous, les gars. Ciao. Bye bye. Quel connard. Tu sais pas ce que c'est? Attends, Alex. Le serveur. Le serveur Discord, je pense qu'il m'a dit. Mais attends, envoie-toi. Ah, moi, je ne suis pas au courant. T'as regardé. Il s'est engagé pour faire un truc, il l'a pas fait. Truc que. En vrai, je. Putain, j'ai l'impression de retourner à l'école quand on disait t'as fait signer ton papier pour faire la sortie de classe, bien sûr. Mais c'est quand qu'on nous l'a donné? Bah, il y a 4 semaines. Mais quoi? Les gens. J'ai dû mettre mes devoirs dans ma pochette. C'est horrible, ça. Sur il m'a mis dans une situation que je n'apprécie pas trop.
En vrai, c'est angoissant de ouf. Bah, en même temps, Alexis, genre, gère ta vie, en fait. Mais c'est pas ma vie, en ta plus. Ta vie, c'est pas TikTok, hein. D'ailleurs. Attends, ça me plaît plus, là. D'ailleurs, je vais tous vous swipe, et, hein, je suis pas intéressé. Oh. Non, lui, je le like. Tu peux pas turbo-like? Si, je peux turbo-like, je peux liker à l'infini. Si t'es un live, mais là, t'es un live pour moi. Putain, mais ça, ils reprennent les trucs de Periscope, quoi. N'oubliez pas, tiens, il y a un truc qu'on va dire qui est, on va dire, qui est important, c'est n'oubliez pas les clips, parce que hier on a remarqué qu'il y a eu que deux clips de fées. Ce qui est con parce que le live était vraiment ouf. Il y aura plus de rediff au bout d'un moment et du coup vous ne pourrez plus faire le clip. C'est dommage. N'oubliez pas de faire le clip. Ça. Ah merde. Parce que je les regarde toujours et en vrai il n'est pas impossible qu'il y ait un best-of clip surtout oui voilà, en fait nous on fait les best-of à partir de ça, on va pas se remater tous les lives de l'univers, donc faites-en. Il y en a une moyenne de 20 par mois, donc c'est pas mal quand même de live, hein, live, ouais, parce que j'ai, bah, techniquement peut-être même de clips, c'est un peu ça. Non, il y a des clips un peu random pas... de moments aléatoires. Bah il y a des moments, ouais, c'est un peu bizarre. C'est des misclics. Ouais. Mais on n'a pas voté pour elle. Bah non, on a voté pour Miss Ball. Ball. Moi j'ai clippé, j'ai dû faire deux clips. Compris. Pour la chaîne. Okay. Amy qui clippe pas mal. Clipper quand il nous menace et nous responsabilise gentiment. Don Daddy Goose, bad def. Ouais, quand les clips ont pas de nom, c'est des misclics général. Mais pas forcément, ouais. Et c'est ça qui est trop chiant. Salut Chevalier Dardan. Coucou. Chevalier Dardan, quel est ton avis sur les gens qui, par exemple, je sais pas, out d'autres gens comme ça en live? Qui donnent des informations personnelles, ouais, tu voilà. veux dire ouais. Ça, c'est chaud en vrai. T'imagines, tu te fais doxer en live? Je pense que cette personne, après, je lui parlerai plus. La carte d'identité ancienne. Alors, il s'appelle Edouard Macron. Edouard Macron. Oh, il vit à l'Elysée. Mais attendez, attendez. Edouard Macron. Attends, fais gaffe, oui, à ce que tu fais, monsieur. Bah, c'est toi qui as foutu les gens qui tiennent bien. C'est du con. Je sais pas si vous voyez la texture. C'est de la peau de crocodile. Regarde là. C'est de la peau de crocodile. Voilà. Oh, fais gaffe à ça. Il est là, attention. Ce que j'aime bien, c'est que c'est Croco qui t'a donné le truc et qui te dit attention. C'est ouais, genre, c'est le ça. Donne pas en fait. On ne donne rien. Moi, je crois que je peux lui faire confiance. Moi, je pense que c'est mal. Je te donne se un flingue chargé, mais attention. Non, c'est pas Miss Clip, c'est Twitch qui fait ça tout seul. C'est ultra relou et j'ai jamais trouvé comment virer ça. T'es vrai? Ouais. Ouais, parce que c'est vraiment à des moments tellement aléatoires. Mais il y avait pas de moment de ouf hier en vrai à part clipper ou en tout cas putain mais il y avait pas de moment ouf. Non, il y a un moment il y a eu un trébuchet avec des vaches, en quoi c'est pas ça, ouf. Ça, ce moment-là, c'était tout le moment des trébuchets était tout pas drôle. Tout le moment des trébuchets, il était incroyable, j'aurais voulu le voir. Tout le moment de super comme mec. En plus, vous pouvez c'est littéralement une histoire. Je out ma skin qui a 3 testicules sous ses 9 cm. Alors, c'est toi qui viens de te out parce que tout le monde a 3 testicules en fait. Oh. T'es qu'un monstre! C'est ce qu'on appelle les bipèdes quand t'as que deux testicules. Et les monopodes quand t'en as que. Parce que la Et sinon t'es un tripède. Voilà. La troisième sert d'équilibre on dit pas total. Triphasé? Ouais. Putain, ça me saoule le côté triphasé avec les prix, ça me ramène dans l'enfer. Ouais. Bah, faudra voir. Parce que. Faut peut-être mettre... En fait, une fois, on a eu une réunion pour un lieu. Et en gros, le mec avec qui on était, en fait, on lui disait nos attentes. Mais nos attentes étaient très claires. C'était genre, on a besoin d'un lieu qui fait 100 à 150 mètres carrés. Enfin voilà, tel est notre budget, machin et tout. Et il fait, oui, bah oui. Parce que 150 mètres. En fait, faudrait voir pour le. Oui. Après l'électricité, c'est sûr qu'on peut mettre un compteur. Et là, Maxime essayait de relancer en disant, ouais, ouais, on peut mettre un compteur. Je sais pas, ça doit coûter genre 400 euros. Avec la forêt, on peut le. Putain, est-ce que c'est le lieu auquel je pense? Le remettre. En état? En isolation? Parce que il faudra. Et un peu de nettoyage. Musique. Faudra voir. Ouais, bah, toi, t'as vécu ça même pas 2 minutes. Nous, on a vécu ça pendant au moins. Franchement, ça a duré plus d'une heure. Et c'était ouais, tellement. La réunion était le mec, il parlait vraiment comme ça. Et surtout, qu'il voulait pas. Il disait pas de réponse genre oui ou non. Jamais. Ouais. Il n'y a jamais eu de oui ou de non. Jamais. Le c'est mec genre, joue on un va ni voir, oui ni non de l'enfer. Il faudrait qu'on appelle. Ça va peut-être coûter ouais. tant.
Mais après, ça peut peut-être coûter moins. Abominable. C'était une des pires choses que j'ai jamais vécues dans toute ma putain d'existence. Comme dit à la fin de la saison 1 d'une certaine série, 3 amène l'équilibre, d'où 3 testicules, masque que ça a raison. Attends, c'est quoi comme série? Bah, c'est pas dans les 3 inconnus? Bah, oui, justement. Genre Bernard Campan, Pascal Légitimus, de saison 1, oui, t'as raison, oui. Et Didier Bourdon. Est-ce qu'il faut penser qu'un jour le Bad Scooper reviendra? Je ne pense que non. Et je trouve ça trop absurde parce que c'est vraiment le truc qui différencie Twitch de YouTube. Les clips. Parce qu'il y a des clips sur YouTube, mais c'est un peu une purge. Et après, il y a les shorts sur YouTube. Le mec parfait dans un début de drôle horrifique. Yep. Non, c'est une étrange apocalypse. Quoi? 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 Mais ça... c'est pas une saison 1, hein. Enfin, je comprends pas. Ou c'est l'épisode 1? Bah si, la saison 1. Ouais, parce que Étrange Apocalypse, ça sera 200 saisons. Bah c'est la campagne Étrange Apocalypse, en fait. Ça fait pas longtemps les clips sur YouTube, ouais. Le Weird Mageddon dans Gravity Falls. Putain. Gravity Falls, la fin était vraiment bien, mais ça a mis très longtemps à sortir quand même. Pas regardé. C'est vachement bien. C'est toujours pas... Mais je sais, il y a plein de séries que j'ai pas encore regardé qu'il faut que je regarde, c'est Gravity Falls et Over the Garden Wall. Je sais, j'en ai Over the Garden Wall, c'est très court. Une soirée même pas. Ouais, c'est plutôt court en fait. Et la fin pour le coup vaut vraiment le coup. C'est 10 épisodes de 10 minutes. Ah oui, ça se bouffe. C'est sur la liste des trucs. Potato, c'est mélassé. Le final de Gravity Falls est sorti il y a 7 ans justement. Mais du coup, ça veut dire que ça a bien 10 ans Gravity Falls. Ouais. Même plus. Je parlais du Seigneur Zano. Ah oui, c'est vrai. Non, tu parlais de Ring of Power, du coup, saison 1. Non, il parlait d'une étrange apocalypse. Je suis sûr que c'était ça. Au moins, des viewers l'ont possédé, ce Bad Scooper. Mais oui, mais c'est ça qui est horrible. C'est... Je trouve ça... Il parlait des Goonies. Tout à fait. Putain. Gravity Falls, c'est pas destiné pour les enfants. Ça se regarde autant qu'adulte. Ah oui, oui. Mais alors, Mraou, beaucoup de dessins animés ne sont pas destinés pour les enfants, en fait. On soit bien d'accord, c'est juste que les gens pensent que ça. Mais par exemple, Over the Garden Wall, c'est clairement plus pour adultes. C'est même plus pour adultes que Gravity Falls. Gravity Falls, il est vraiment entre les deux. Il y a un équilibre qui, au début, est vraiment plus penché pour enfants, mais qui très vite devient un peu plus pour adultes. En tout cas, pour ados. Mais voilà. Par exemple, Smiling Friends, c'est adulte. C'est sur Adult Swim. Ouais, c'est adulte. Regan Morty. Non, mais Over the Garden Wall, ouais, pour moi, c'est plus. Jeunes adultes à Metalocalypse. Sur leur possède. C'est vrai que je trouve un moyen de la choper. Putain. Primal, c'est adulte aussi. Adult Swim, je crois. Arcane, c'est pas pour enfants, tout à fait. En free? C'est quoi? En free? Ah, en pirate, ouais. Ouais, en tipiac. Ah, ouais, je l'avais déjà regardé en entier comme ça, Adult moi. Adult Swim, il y est. Ouais, c'est fou. Il faut que je la regarde, je l'ai toujours pas regardé. Je connais très bien les BO, mais. Primal, c'est excellent, la saison 1 était folle. Et là, j'ai commencé la saison 2 qui est très cool aussi. Si vous aimez les dinosaures badass et. Putain, Air Clover! Ce pseudo, putain. Primal, c'est vraiment cool. Air Clover, je me dis. Attends, c'est qui? Air Clover, c'est le mec qui était dans le film de l'un. Mais c'est le mec qui aime Air! Ah, mais Air Clover! Eh, mais genre, c'est Air Clover! L'angoisse. Adventure Time, c'est pas mal adulte. Alors. Adventure Time, par contre, c'est vraiment pour enfants. Mais le lore est écrit pour adultes. Mais par contre, c'est fait pour si tu regardes avec des enfants. Mais vraiment, le rythme et l'écriture est comme Bob l'éponge, il y a le côté très enfant et un peu adulte pour faire passer, quoi. C'est plus dans le sous-texte, enfin dans l'ambiance, dans le sous-texte. Tu sens que ça a été fait par des adultes aussi, quoi. Il y a le truc qui est derrière et vraiment pour adultes. Mais en vrai, globalement, c'est pour enfants. Mais attention, j'aime bien. Mais voilà. C'est comme la série Phileas et Ferb aussi. Ça, on dirait que c'est pour enfants, mais quand tu regardes beaucoup d'épisodes, tu fais ah oui, non, d'accord, les mecs sont ils sont à l'heure de ouf et tout. En vrai, c'est bien. Le problème d'Adventure Time, c'est que c'est mal équilibré, quoi. C'est en gros, pour avoir regardé genre plus de la moitié de la série et en temps réel, franchement, il y a des gros moments où t'as genre une moitié de saison entière à pas acheter, mais tu vois, genre, t'as rien à retirer. Par contre, t'as des épisodes qui sont incroyables, et le lore est vraiment top. Land of Ooh est vraiment cool. Love, Death and Robots, hein, c'est pas clairement ça, pour enfants. Pas... Ça. Ça, c'est juste pour enfants. C'est juste, oui, pour les bébés, même. Les nouveau-nés. Au plus jeune âge, faut leur faire bouffer ça. Je crois que même plus tu peux.
installer un casque VR directement sur le fœtus en fait. C'est plus simple. Très bonne répercussion sur l'avenir, c'est sûr. Gros bébé cadom, dit les tout. Parle pas comme ça d'Alexis. Baba. Téléchat, c'est vraiment pour enfants. Ouais. Les gens, n'oubliez pas Téléchat le 10 décembre. Pendant, à mon avis, 24 heures, on va se taper cette merde. J'ai envie de crever rien d'y penser. J'ai tellement hâte. BoJack Horseman, ouais, pareil pour enfants. Ah oui. Oui, bah alors ça. Pour enfants, là, oui. Ça, c'est marrant parce que BoJack Horseman, ils ont vraiment fini une saison et demie trop tard, quoi. C'est, tu supprimes une saison et la série est vraiment mieux. Je suis d'accord. Et c'est vraiment dommage parce que vraiment ça va à un pic et ça ne fait que redescendre après et c'est vraiment dommage parce que le pic est tellement incroyable mais la fin et tout ça c'est genre il y a plein de trucs où c'est pas mal tu vois mais c'est genre tellement moins bien qu'avant. J'ai bien aimé quand même la conclusion. Non, c'est pas mauvais. Trois derniers épisodes sont vraiment. Eh oh, je t'énerve pas. Globalement, c'est pas. T'énerve pas là. Je suis désolé, je. Reste calme. J'ai tendance à monter en pression. Ah ouais, mais j'ai vu là. Non, sacré pas. J'ai vu une série que j'ai pas aimée. C'est Cuphead, ouais. Ah, c'est pas mal. Genre l'animation, je la trouve top, mais la série, je la trouve vraiment mouef. Oh, moi, ça va. Je trouve qu'il y a le ton un peu débile et rigolo des Betty Boop et tout ça. Je trouve que ça respecte le contenu original. Ça, après, c'est clairement pas travaillé, mais il y a vraiment il y a ce délire Looney Tunes et Betty Boop. Moi, je te dis, c'est pas l'animation que j'ai trouvé dégueu. Enfin, même visuellement, c'est plutôt, plutôt top, ouais. C'est plus genre, ouais, les épisodes, j'étais un peu en mode. Ah, bah, ça reproduit exactement le même humour et le même truc que ces trucs-là. Donc, à chaque fois, c'est du contenu. Enfin, c'est vide de sens. Et ça sert juste à être un petit peu rigolo et être fun, quoi. Mais Panic au Village, ça, c'est trop bien. C'est pas un dessin animé. Mais ouais, Panic au Village, regardez la série, regardez le film, c'est incroyable. C'est belge, avec d'ailleurs François Poulvord en doubleur. François François Poulvord, ouais. Son frère. Je vais le noter ça. Et du coup, Panic au Village, incroyable. Bien ce monsieur. Et par contre, la deuxième. Enfin, le film est vraiment au-dessus de la série, mais il faut regarder la série. François le Belge, tout à fait. Et par contre, il y a. Avec toujours François Poulvord. Il y a Atomic Circus qui était vraiment bien, qui est un film qui est très. Très chelou et qui est très Lovecraftien et que beaucoup de gens oublient et j'oublie tout le temps d'en parler. Et ben moi il y a aussi Au Poste avec François Poulvord très bien et quoi et le Chopalme de Quentin Dupieux qui est excellent que j'aime beaucoup. Mr Pickles, alors Mr Pickles c'est bien et mais du coup maintenant c'est Mama the Sheriff ou je sais plus quoi là. I didn't kill the sheriff. Mama the sheriff, je sais plus c'est quoi le titre. Et c'est moins bien. I didn't shoot the sheriff, un truc comme ça. Ça n'est ni une série, ni ouais. Gros message de vie avec les tortues ninja, genre les armes qui ont les obligent à développer le contraire de leurs défauts, genre le mec impatient des Nunjaku, et s'il est pas prêt, il peut baisser lui-même. Gros message de vie quand même. Ouais, alors ça c'est du sous-texte de sous-texte. Je pense que à la base Tortue Ninja c'est un comics qui est juste fait pour être violent. C'est un comics satirique la base des comics Tortue Ninja. Il y a Dark Horse ou Image qui est en train de les republier. Je crois que ça appartient à Image. Ouais, il me semble que c'est Image Comics qui sont en train de les republier en hardcover. Ils sont en vrai. Ah c'est pour du comics années 80. Ça a bien vieilli, ça a pris une patte, ça a pris une gueule, c'est vraiment cool et c'est vraiment. C'est un peu violent. Comme The Mask, tout ça en fait, c'est des trucs. Je conseille, j'ai beaucoup plus violent. Par contre, c'est beaucoup plus violent qu'on. Et c'est très débile, genre littéralement au bout de 5-6 épisodes, ils sont dans l'espace. Enfin, ouais. c'est n'importe quoi. C'est une parodie de Daredevil, il me semble. Oui, parce que ça se moquait du même de Marvel qu'à chaque fois que tu touches un truc radioactif, tu gagnes des pouvoirs, etc. Casey Jones, c'est une satire des vigilantes, littéralement, qui sont en fait juste des tarés ultra-violents. Et c'est, faut pas oublier que Casey Jones, c'est un clodo ultra-violent. Et c'est vraiment cool. J'aime beaucoup. The Owl House, alors, c'est pas été fini avant d'être fini? Enfin, genre, arrêter avant d'être fini. J'ai même pas regardé ça. Moi, j'ai regardé l'épisode 1, j'ai fait, c'est trop bien, je le garde de côté.
Alors Final Space, Alexis aime beaucoup. Ouais, moi Final Space a été ma petite série. Bah en fait c'est comme Gravity Falls, c'est le même. Enfin pour moi c'est le même mood. Juste bah c'est pas, voilà, c'est pas de des cryptides, des trucs comme ça quoi. C'est juste de la SF. Mais c'est pour moi c'est le même mood. J'ai été bluffé moi par la voix originale quand même de Final Space. J'ai trouvé. De quoi, le doublage fait Guy. Non ouais, le doublage j'ai trouvé ça. J'ai pas, il y a un truc qui m'a fait genre waouh, c'est bien, c'est cool. Moi j'ai vu l'épisode 1, enfin le pilote, du coup avant que ça soit acheté par Netflix, si je dis pas de la merde. Oui. Et moi ça, j'ai pas accroché, du coup faut que je regarde un jour. Bah pour moi c'est comme Gravity Falls dans le sens où tu regardes le premier épisode, t'es en mode ouais c'est sympa sans plus, tu regardes le deuxième épisode, tu fais ouais, et après quand tu commences à voir qu'il y a des liens dans tous les trucs et tout, moi je, en vrai la fin de la saison elle est vraiment bien. Puis même non, mais les autres saisons sont bien en vrai. All House ça a été raccourci, mais c'est dingue. Ouais, mais moi, c'est All House, j'ai regardé l'épisode 1, je fais c'est cool, je regarderai plus tard. Et depuis, il n'y a pas eu d'épisode 3, je crois. Il a eu son épisode de saison 3 il n'y a pas longtemps et Disney s'en mord les doigts car ça a du succès. Ouais, ça c'est trop drôle quand ils font ça. Quand ils font bon, on acquise ce projet là, on sort juste un truc pour l'achever et que ça a énormément de succès, ils sont en mode fuck, fuck. Bah, je pense que c'est ce qui s'est passé un peu pour Twin Peaks saison 3. Parce que clairement, le but c'était de finir, sauf qu'en vrai. Ça se finit avec un point d'interrogation, ce qui est frustrant, et tout le monde a vraiment adoré, ça a été vraiment un bon succès critique en tout cas, je ne sais pas si c'est un succès public, mais du coup je pense que ça saoule Lynch, je pense qu'il s'en branle un peu. Ouais, il me gave Netflix à pas faire des suites à des séries genre Dark Crystal, ça me saoule. Ouais mais Dark Crystal je crois que c'est le créateur hein, aussi qui a dit que c'était trop long en fait à produire et que de toute façon s'il voulait le faire il le ferait pour cher. Ce qui est normal en fait. En vrai, mais... Et moi je comprends pas pourquoi. Allonger la thune en vrai. Ouais, mais après tu vois, je suis d'accord, mais c'est pas frustrant parce qu'il y a la suite, c'est le film. Oui, d'accord. Et mais puis, c'est vrai qu'en fait, c'est juste, je me dis. Ça, aussi, j'avoue que je joue vidéo. Qui est la suite directe de la série, si je dis pas de bêtises. Tu vois. J'y ai pas joué. Mais du coup, c'est vrai que c'est tellement généreux en lore dans la série que j'ai envie d'en savoir plus. Alors, en fait. Cacao lait, le fait que Netflix ait annulé Archive 81, je pense que certes, c'est bizarre parce que la série a bien marché, mais. En vrai, Archive 81, je pense pas que ça aurait été génial la suite. Et de ce que j'ai entendu, la suite en audio est pas folle non plus, quoi. Je vais recadrer notre plan. Deux secondes. Tu veux que je te recadre, au pire ? Mais je... Oh non ! Je suis viré ! Patron ! Je suis de nouveau un ours ! Oh non, un ours ! Après je fais ma lèvre d'ours à tes cuisses. Ah quoi, il baisse la lèvre. Non, non plus j'aime pas. J'ai dit de pécer. T'as envie de faire ah remonte ta lèvre là. Arrête de nous. My berend. My berend. Maxime regarde Coco. Écoute Coco, tu peux pas continuer. Moi c'est I'm Not Okay With This sur Netflix qui fait de ouf. Ça a eu qu'une... Ah oui, le I'm Not Okay With This était vraiment pas mal. Et la fin ce qui finit sur un putain de cliffhanger et il n'y a jamais de suite. Et c'est genre, la saison 1 est une très bonne intro. C'est pas fou comme saison 1, mais c'est une bonne intro. T'as vraiment envie de savoir la suite et t'as pas de suite. Ça me dit quelque chose. Mais... C'est avec la meuf qui joue dans It Chapter 1. Ça ne m'aide pas du tout. Je n'ai pas vu. Voilà. Elle joue bien, elle. Ouais, très bonne actrice. Et elle joue aussi, d'ailleurs, dans... It, chapitre 2. Oui, c'est... je sais plus. The End of the Fucking World. J'ai regardé la saison 1, pas la saison 2. J'ai détesté, moi. J'ai adoré. La 2 est moins bien. Bah, j'ai pas regardé la 2 parce que les reviews étaient vraiment pas terribles. Et la 1 était bien. En vrai, se contenter de la 1, c'est cool. Ouais. Vraiment, ça fait. Ah oui, elle joue dans une saison. C'est mieux pour le ton, en fait. Elle joue dans le film D&D, tout à fait. Ouais, et elle joue dans Gretel et un autre sale, tout à fait, c'est ça. Merci, Loïc. Enfin, pardon, Loïc Bian. Loïc. Oh, Doc Doc Mousse en. Amiral Loïc. En train de bader. Ça te fait peur ou pas, Doc Doc Mousse ? On fait les grenouilles. je chialerai toutes les larmes de mon corps si on était dans la dimension où Dirk Gently continue. Alors, saison 1 c'était bien, saison 2 j'ai arrêté parce que c'était pas fou. Attends, Last Man Hero ça sort dans 2 jours. Oui, ça sort dans 2 jours. Putain, j'avais complètement zappé. En plus, on peut le voir gratuitement
et légalement, parce que c'est sur France TV slash. Ça, c'est bien. D'accord. Ouais, t'as tout qui sort d'un coup. Last Man. Last Man, c'est cool. Last Man saison. Bah, en fait, le manga est vraiment tellement mieux qu'animé que du coup, je sais pas ce qu'ils font là. Ils font l'entre-deux, je crois. Alors, ils font la suite du manga. Ils font la suite de l'animé. C'est particulier ce qu'ils vont faire, j'ai l'impression. De ce que j'ai compris, c'est la suite de. C'est un préquel, je veux dire. Une suite. Mais ouais, ça reste toujours une préquelle au manga. Mais c'est une suite. Mais c'est toujours la suite de l'animé, du coup. Ce qui est très bizarre. Mais du coup, on va dire qu'il y a plein de persos qu'il y a dans le manga, mais qu'il n'y a pas dans l'animé, qui vont être introduits maintenant. Ouais. Enfin, dans l'ordre chronologique de l'histoire. Le manga est vraiment incroyable. Oui. Mais c'est très bizarre parce que c'est vraiment genre. Du coup, il y a plein de persos que t'aimes. Enfin, genre. Il y a plein de persos qui sont vraiment insignifiants en fait. Du coup, et il y a d'autres persos qui sont une place gigantesque que tu peux pas deviner. Et qui est trop bien. Mais. Entre la série et le manga, 6 épisodes qui sentent chacun sur un perso. Ok, super intéressant. On parle de Last Man. Il y a deux acteurs de Hit dans I'm Not Okay With This. Merde, trop drôle. C'est vrai? J'ai fait dans ma culotte daddy. non, ouais, je pense que Last Man. Le manga est mieux équilibré en fait que l'animé. L'animé est vraiment bien, ouais, mais le problème c'est qu'il est vachement. Enfin, il est quand même relativement sexiste et un peu bas du front. Là où le manga est vachement plus équilibré. Parce que je pense que les gens qui ont bossé dessus se sont plus concentrés là-dessus, je sais pas. Il y a le petit qui joue Stanley dans Hit et là il joue Stanley. D'accord. C'est vrai que dans Last Man, moi, c'est les twists où genre ça fait oh, je m'attendais tellement pas mais à ça. Mais c'est ça qui est bien. Il y a vraiment un côté genre. L'horreur cosmique là maintenant ? Oui, oui. Mais c'est ça qui est trop bien. Oui. Mais je te dis, le manga, c'est genre mieux et c'est ça qui est mais fou. C'est trop bien. C'est niveau narratif. C'est... Enfin, en fait, le truc, c'est que c'est plus long. C'est surtout ça. Ouais. Parce que c'est 12 tomes, si je dis pas et de bêtises. Et aussi, c'est 100% terminé alors que l'animé continue. Enfin, l'animé. Mais c'est un peu bizarre parce qu'on risque d'avoir un épisode sur Marianne ou Cristo Canyon qui va ce qui va perdre les gens qui ont vu que c'est. Oui, j'avoue, ça n'a pas de sens. Mais sur Christo, bah, ça va être trop bizarre. Justement, ils vont, moi je pense qu'ils l'ont réfléchi comme ça, qu'ils vont, c'est une introduction à ces personnages pour des gens qui n'auraient pas lu le manga. Tu baisses le manga du coup. Christo, si t'en parles, tu baisses le manga. Hein. Ça dépend comment ils le font. Après, ils en parlent, enfin ils le montrent dans la série, dans le dernier épisode, tu vois Christo. Ouais, ouais. Mais c'est pour ça, en fait, c'est pour ça, moi s'ils continuent là-dessus. Christo, par exemple, c'est un personnage qui est super bien dans le manga. Trop, trop bien. Trop bien. Mais genre vraiment, enfin sincèrement, le manga. Je comprends pas qu'il ait pas plus de succès parce que c'est vraiment un excellent manga. Et même sans la série. Et la série ne fait que ajouter des trucs cool. Par contre, je pense que si t'as lu le manga, tu regardes la série, il y a plein de trucs où tu fais genre. Bah, je sais ce qui va se passer. Mais c'est intéressant. Alors, le manga mériterait clairement une intégrale, Grognette, et une meilleure édition, je trouve. Parce que. Enfin bref, ça manque de persos féminins forts dans la série en effet. Ah oui, c'est le plus gros. Enfin, c'est ça le problème, c'est que la série Last Man a des gros défauts par rapport à ça, alors que dans le manga, il y en a plein. Et ils sont bien. Mais Christo, s'ils font une origin story, ils vont totalement spoiler le manga pour ceux qui l'ont pas vu. Mais c'est ça. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Je pense qu'ils y ont pensé à ça en vrai. Je pense qu'ils sont pas cons, vu que. Enfin, ils ont quand même fait la série qui est vachement bien et qui est une préquelle, quoi. Mais par contre, c'était cool de faire cette préquelle là. Parce que quand tu lis le manga, c'est vraiment pas. Enfin, ça se concentre pas du tout là-dessus, c'est fou. Last Man, c'est fait par le mec qui fait une BD incestueuse, pédo chelou, dégueulasse. Oui, tout à fait. Le créateur. Notamment, oui. Voilà. Mais je crois qu'il n'est pas sur la suite. C'est quoi justement, on avait parlé de. Justement, apparemment, il n'y est pas. Vives. Bastien Vives. Qui est. Une personne qui fait du contenu très. Lis le script. Alors, on va voir ce que nous dit Wikipédia et j'irai vomir après du coup. Non mais après lui, il a peut-être été accusé de trucs, je sais pas, mais c'est surtout ses offres qui sont pas folles quoi. Et il a fait une BD dégueulasse où il est dégueulasse. Alors justement, je sais qu'il a fait des BD dégueulasses, mais du coup, je ne pense pas que tu puisses faire ça. Et ne pas l'être. qu'on soit bien d'accord. C'est François Vives. Putain. Tout le monde est François maintenant. C'est le créateur du manga. Oui. Enfin, c'est un des trois créateurs. Ils sont trois, ouais. Voilà. C'est et trois personnes. Dans la suite animée, c'est les deux personnes. Ce qui me rassure, moi, personnellement. Parce que je sais que ces deux personnes-là. Et je crois que dans Last Man, l'animé, il était beaucoup plus actif que les deux autres, ce qui est problématique.
Ou est-ce que tu départs ? C'est par l'artiste de l'œuvre à la base du coup ? Les deux, d'accord, c'est avec le barbe. Et oui, je crois que pour une de ses BD, il a dit s'être inspiré de ses propres fantasmes, donc voilà, toutefois. Ah. Ah. Mais ouais, c'est problématique, comme d'hab. Moi, ça m'excite. Yep. De quoi ? Ça dépend, il y a des casseroles, Clive Barker. Mais Clive, alors attention, qu'on soit bien d'accord. Quand on te dit écrire sur des trucs dégueulasses, Ozren, écrire sur la torture et le machin, etc., c'est pas dégueulasse en soi. Par contre, écrire sur un délire incestueux, machin, où tu mets ça en avant comme un truc fantastique, ça m'excite, ça. Et en disant ça j'aime bien. Ça me plaît vraiment. Prenez vous prenez Kentaro Mura et vous regardez Berserk et vous comprenez ce que c'est. Ou même Junji Ito qui écrit des trucs horribles et qui a une vie juste où t'as l'impression que le mec il vit dans un champ de fleurs. Toutes les photos de Junji Ito, tu vois un sourire, tu te dis mais comment. En vrai, si tu lis du Junji Ito, enfin. Pour avoir lu, je pense, malade. L'intégralité, en fait, tu vois vraiment qu'il a une vie juste de merde. Enfin, genre, je rappelle quand même qu'il est le mec qui bade d'un de ses chats parce que son chat a un visage de squelette. Et du coup, ça le fait bader parce que tu sais, il a des yeux noirs et deux traits là noirs. Ça fait comme un squelette. Ça fait peur, ça. Ça fait peur. Il y a tout un manga dessus. Toutes les éditions françaises qui sont en train de sortir actuellement. Je sais plus chez qui. Mais à la fin, il y a une petite postface de Junji Ito qui raconte. Pourquoi en fait, comment l'histoire lui est venue en tête comment elle l'a inspiré. Il le faisait dans la VF. C'est hyper intéressant parce qu'il y a des trucs, notamment celle où il y a une des nouvelles où en gros il y a littéralement quelqu'un qui est coincé dans les canalisations et il raconte ça et en fait l'idée c'était juste, il s'est juste dit dans sa douche si jamais je me faisais aspirer. Et il écrit une histoire qui est terrifiante. Le truc du chat c'est dans ce que t'as en bas là ? Non, je crois pas. Ok. En gros, justement, je les ai lus ceux-là et je n'aime rien. Je les ai tous lus en VA qu'en fait, pendant des années, ils n'étaient plus édités ni en VA ni en VF. Et du coup, je les ai achetés en VA. Et le jour où je les ai reçus, ils ont annoncé qu'ils allaient les refaire en VF. Du coup, ça m'a fait. Et du coup, là, j'en ai des nouveaux en VF, mais que j'avais déjà lus. Et c'est très bien. J'aime beaucoup. Enfin, c'est... édition Mangetsu. Manga. Comment ça s'écrit le nom à l'envers, de... Alors ça s'écrit Junji, G-U-N-G-I, espace Ito. Ito. I-T-O. Junji Ito. C'est quoi, c'est Uzumaki Alors le numéro 1 que je vous commande, c'est Uzumaki qui est le plus simple. Enfin, le mieux c'est Aokigahara Falls. Non, pas Aokigahara Falls, c'est Oniga. Attends, comment il s'appelle ? Je sais plus. Si vous tapez Junji Ito. Alors, en fait, elle est facilement trouvable sur internet pour le coup. Il est pas inconnu hein. Chez Mangetsu, moi je pourrais vous conseiller de commencer aussi par les chefs-d'œuvre de Junji Ito parce que c'est plein de petites histoires. C'est Falls et Amigara, enfin c'est Amigara Falls et en gros c'est quelques pages. Instantanément vous comprendrez le truc et vous comprendrez beaucoup de délire qu'il y a autour de Junji Ito parce qu'en gros c'est une falaise où il trouve des trous qui ont des silhouettes de gens. Oui. It's my shape. It's my shape. It's for me. Et du coup, elle est vraiment vraiment cool. C'est une des plus courtes et elle est, je crois savoir qu'elle est dans l'intégrale de comment ça s'appelle de Uzumaki. Et du coup, Spiral Uzumaki, c'est je l'ai lu là-dedans, le mieux à lire pour commencer parce qu'en fait, c'est celle qui a un récit, un début, un milieu, une fin, qui part un petit peu dans les délires, mais c'est vraiment des chapitres one shot. En fait, qui suivent, donc c'est très facile à lire. Alors que le reste de ce qu'il a fait, il y a beaucoup de hauts et de bas. Parce qu'il y a vraiment, enfin, par exemple, dans les trucs des chefs-d'œuvre, moi, il y a plein de trucs que je trouve, tu le lis, tu fais genre. Et t'es pas forcément sensible au truc et c'est pas ouf quoi. Alors que Spiral. Après, tout le monde a pas le même. Tu vois, parce qu'il y a des gens, ils se laissent avoir par des twists un peu à la con, des trucs comme ça. Mais Uzumaki est vraiment. Vraiment, vraiment. Et puis même le dessin est cool. Il y en a plein d'autres qui sont bien. Et dans les Tommy, c'est cool. Alors, c'est plus psychologique. Le problème, c'est que Tommy est. Pareil, je trouve qu'il y a vraiment des gros bas. Ah, il y a des. C'est très. Oui, c'est. Et sinon, t'as. Comment il s'appelle Merde, celui avec les poissons, c'est Gio. Gio qui est vraiment, vraiment cool. Et pareil, qui est. La fin est pas incroyable, mais il est assez court à lire. Généralement, les fins sont pas si. Corbeau Blanc dit c'est Tomie que j'ai trouvé très redondant et long. Bah oui, parce qu'en fait, Tomie, c'est le même cycle sans arrêt. Et des fois, c'est genre un cycle où c'est genre yes, bah, c'est nul. Et bon. Alors qu'il y en a certains qui sont plutôt terrifiants, je trouve. Mais après, dans les best-of, il y en a que je trouve incroyables. C'est là où t'as les meilleurs, mais c'est là où t'en as plein où tu les lis et tu fais.
Quoi ? En fait, ceux qui vont vous impacter, ils vont vous impacter genre comme un camion en pleine face. Celui, je sais pas si tu t'en souviens, celui que la maison de la Grèce. Oui, mais celui-là, par exemple, moi, j'ai trouvé juste dégueulasse et pas très intéressant. Ah mais moi, tu vois, il m'a... à côté de ça, toi, t'es un bébé, le crâne mille pattes ou les rêves. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça vachement bien. Tu vois. Même la mannequin qui. La mannequin, elle est cool. Il y a un passage où on voit son reflet dans un miroir de. Les miroirs d'angle de rue. Et j'ai eu, c'est rare hein, un jumpscare dans une BD, mais là j'ai eu un jumpscare. Alors c'est le principe même des manga, BD en fait. De manga ce n'est pas... d'horreur. En fait, c'est un principe japonais, c'est le screamer. Enfin, ça a un nom que je vous dirai pas. Mais en fait, c'est un type de manga où justement Junji Ito en fait partie. Ce n'est pas le seul, il y en a plein d'autres. Et Inafune, je crois qu'il s'appelle, un truc comme ça, quand on a fait. Et en gros, c'est tu tournes la page et t'as un screamer parce que quand tu tournes la page, tu vois le truc horrible. Et en gros. Ça marche très bien. Ça marche vraiment bien. Ça existe depuis longtemps en BD parce que même dans Peter Pan de Loisel, t'as ça. T'as le fameux retourné de page que tout le monde connaît si vous l'avez lu, qui est trop bien. Et dans les comics d'horreur, il le faisait aussi parce qu'il changeait même la colorimétrie de la page pour le faire, etc. Dans les vieux. Dans les romans graphiques. Non, c'est pas un roman. Mais du coup, en vrai, les mangas d'horreur, il y en a des vraiment très bien qui ne sont pas de Junji Ito pour le coup. Et que je vous conseille. Mais du coup, j'ai plus le nom du mec en question. Parce que son nom est plus compliqué que Junji Ito. Shakespeare. Yep. François Shakespeare. François Shakespeare. Allez, là. Putain. Pourquoi je racle mes mots ? Rate. Rap. Mais je dis racle exprès parce que c'est l'impression que ça me donne dans ma bouche. Il y a le One Shot Hideout qui vaut le coup d'œil. Alors là, comme ça me dit rien, mais. Umezu, peut-être. Hein. J'avoue que je me rappelle plus de son nom. Bon, ce soir, ça a parlé des Emily et des François. Ok, je le prends personnellement. Pourquoi ? Ah, il s'appelle François Emily. Ouais, ça doit être ça. Ou Emily. Ou François Emile. Peut-être Emilien François. Mm-hmm. En vrai, je crois que je sais comment il s'appelle. Emile Zola. François Emilien. Et là, il s'appelle vraiment Emilien François. Je suis un connard. Je sais pas en vrai. Salut Emilien. Toutes les Emily et François dans le chat. On lève les bras. Alors, perso, j'ai eu il y a pas longtemps l'appel de Cthulhu et celui qui est en ténèbres de Gutanabe. Plutôt sympa, je trouve. Alors, le truc de Gutanabe, c'est vraiment cool, oui. Mais je trouve pas que ça soit incroyable. Je trouve que c'est cool, mais c'est cool comme. C'est un bon manga, quoi. C'est une bonne adaptation. Maintenant, c'est pas un chef-d'œuvre, quoi. C'est un manga, je trouve ça cool. Si vous aimez bien Lovecraft, que vous avez peut-être un peu la flemme de lire les nouvelles, par exemple, c'est une bonne porte d'entrée. Mais c'est pas incroyable. Je et conseillerais... surtout. Ça représente vraiment beaucoup certaines choses où. Pété de thunes, blaireau. Merci beaucoup, salut les Voilà. Mais du coup, ça représente beaucoup des trucs où. Bah, du coup, ça scelle visuellement un truc qui, pour le coup, est amoindri de ouf. C'est bien. Il a un style qui correspond bien. Et en fait, moi, je suis plutôt pas d'accord avec toi en disant je préfère. Je vous conseille de lire les nouvelles avant. Ah ouais, moi aussi. Je vous conseille de lire les nouvelles avant et ensuite de découvrir l'interprétation que fait Gutanabe. Usamaru Furuya. Ah, c'est peut-être ça. Ah, Furuya, ça me dit quelque chose. Tout ce que je peux dire, c'est que ces mangas-là, tu peux pas les acheter. Parce qu'en gros. Mais de nom, ça me dit quelque chose et je pense que. Attends, je vais le mettre là pour pas que. Je pense qu'ils sont mentionnés dans les préfaces ou les postfaces des rééditions de Junji Ito. Les rééditions. C'est possible que ça soit. C'est les rééditions du Shinji. Mais non, ça ressemble pas. Enfin, c'en est un. Mais il y en a un que j'ai lu qui est horrible. Oui, alors je vois ce que c'est ça. Et oui, ils sont cool ceux-là. Mais non, c'est pas ça. Doki Doki Literature Club. Ah. Litchi Ikari. Ça va. Est-ce que vous êtes prêts? La déchéance d'un homme. Quoi? C'est quand qu'on lance le jeu ? Bientôt, bientôt. C'est quoi le jeu de ce soir ? Le jeu de ce soir est rituel. Nous allons faire... Donc, en gros, je vous explique. Rituel, c'est ce jeu-là. Donc, c'est grâce à Game Spirit qu'on fait ce live. On devait le faire l'année dernière. Mais la vie en a décidé autrement. Donc, on le fait seulement maintenant, avec un an de décalage. Mais toujours autant d'amour pour le jeu. Je voulais vraiment le faire. Donc, on commence par ceci. Donc, Ritual. Hop. Personne ne l'aura. Hop. Donc, ça, c'est la mise en place. Bon, à mon avis, on voit que d'un. Hein, c'est pas.
Alexis qui baisse le plan. Non, je voulais qu'on voit Rituel. Écoutez, les gens, c'est la fin du live. Ok. Rituel, c'est l'élève à 9 degrés. C'est bon, quoi? Oh putain, merde. C'est de la merde, arrêtez de boire cette merde. Donc, je vais vous lire les règles. Les règles font partie du jeu. En gros, c'est des cartes blanches. Et ensuite, on passe, comme vous avez c'est voir, bon, je suis HPI, j'ai lu toutes les règles. Les hop, je vais être prêt. Je suis un lecteur niveau 7. Donc, Ah ouais. Mmh. C'est quelque chose. Attention. Ça m'a saoulé. Attention. Le jeu se déroule de la manière suivante. En tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, nous piochons à tour de rôle une carte et en lisons le texte à voix haute. Nous commençons par les cartes instructions qui expliquent comment jouer. S'il s'y trouve une instruction à réaliser, nous la réalisons immédiatement. Une fois la carte lue et ses instructions réalisées, nous la défaussons, sauf s'il est indiqué de la conserver au centre de la table. Nous jouons des personnages qui appartiennent tous au même culte et vénèrent une puissance surnaturelle au pouvoir incommensurable. Maxime ! En son nom, nous pratiquons des cérémonies et des rites mystiques dans le plus grand secret. Notre culte nous a chargé d'une mission capitale. Préparer le rituel qui sera l'accomplissement de toutes nos recherches ésotériques. Si nous parvenons à l'exécuter correctement, le monde en sera à jamais changé. Nous plaçons cette carte, face visible, au centre de la carte, de la table. Donc le centre de la table, vous ne le trouverez pas, mais ce sera... C'est plus ou... en vrai, c'est plus ou moins le centre de la table. Et puis table, le plan, ouais, on le voit mieux. Oui, c'est vrai. Décidons maintenant du contexte de notre histoire en choisissant parmi trois cartes contexte, celles qui nous inspirent le plus. En vrai, vous allez choisir le chat. Ouais, parce que j'ai oui. Parce que c'est vous qui choisirez. Les cartes contexte sont donc les suivantes. Elles sont toutes très vraiment cool. Mais il y en a certaines qui sont plus inspirantes que d'autres. Oui. Et il y en a certaines qu'on maîtrise mieux que d'autres. Aussi. Et non, Alexis, ce n'est pas le moment de la prohibition. Il y en a un ou c'est de la prohibition? Oui. Attendez, je savais juste un truc. Quel enfer! Est-ce que vous le voyez le sondage? Quel enfer, c'est la prohibition. Je me dessèche! Vite une bière! Alors, quel contexte? Donc, quel contexte, pardon. Numéro 1, États-Unis d'Amérique, de nos jours, Louisiane, État du Vaudou. Donc, oh, USA. USA, oui, oui. 2022, Vaudou. Des marées qui collent. Numéro 2, Antiquité, bassin méditerranéen, essor des empires. Donc, je vais mettre Méditerranée, Méditerranée. J'ai mal écrit Méditerranée, mais vous m'en voudrez pas. Hein. Antiquité. On peut faire clic droit corriger sinon. Non. Très bien. Ensuite, il y a Paris, 1920, année folle. Paris, 1920. Avec Croco qui danse comme ça. Ensuite, il y a les années 60-70. Ça, j'aime bien ça. Aux j'aime USA. Bien, ça. Avec Croco qui danse comme ça. Danse comme les années 70 aux USA maintenant. Les années 70. Comme ça, là. Oula, on était bien plus fous que ça à l'époque. Ensuite, il y a l'ère de l'expansion spatiale Ganymède entre orbite, et surface. Donc, Le futur. Je vais mettre SF. Oui, oui, oui. Le futur tel qu'imaginé dans les années 70. Ensuite, nous avons l'époque des grandes découvertes Amérique du Sud, l'enfer vert. Donc on a... Cortés. Amérique du Sud. Est-ce qu'on peut éviter celle-là pour... C'est 1000 combien? 1100. 1800, des bananes. 1800, 1900. 1789. 1600, aucune idée. 1500. Ah non, dans 16e siècle. 1700 quelque chose. Parce que je sais pas quelle. Je me souviens. Je peux pas. Non, votez pas pour celui-là, s'il vous plaît. J'ai pas envie de faire de conneries avec les Masonites. L'humanisme, bah, les grandes découvertes. Tu parles, c'est trop proche de rêve. 1500, ce truc. On va je mettre, vois hein. pas de quoi il parle. C'est à partir de 1492, ouais, donc 1500. Ça c'est la prise de la Bastille. Ah. Encore une fois, arrêtez d'écouter Alexis. Vous savez qu'il n'a pas vraiment de. Comment t'appelles ça déjà? C'est sa période. Culture. Culture. Asie du Sud-Est, Néo-Tokyo, dystopie cyberpunk, donc cyberpunk.
Cyberpunk Neo Tokyo. Avec les bugs de croco comme ça. Et enfin, Moyen-Âge. Je pense à ce que t'as dit. En 1600. Vrai. Europe. C'est sûr. Les gens, votez. Je vais déplacer le son. Vous voulez quoi, vous? Votez pour... Moi, en vrai, Vaudou, ça me tente bien. J'aime beaucoup Vaudou. Moi, les grandes découvertes, ça me tente bien. Ah, les Grecs aussi, ça me tentait bien. Il y avait un truc grec, en vrai? Ouais, la Méditerranée, enfin, c'était Troyen, oui. Grec, enfin, tout. Mon préféré, c'est clairement les Vaudous. Je le dis comme ça. Ouais, Vaudou, c'est cool. Oh, je suis ouvert. Moi, celle que j'aime le moins, ça va peut-être être le truc pas moderne. Paris à Nevin, c'est cool, en vrai. Ouais. Paris à Nevin, c'est cool aussi. Paris à Nevin, il y avait pas de Zeppelin. Si. Bah, si. Il y en avait littard. C'est la seule période du monde où il y en a. À Paris? Ouais. À Paris, oui, il y avait des Zeppelins. Il y avait... Bon, bah alors, on prend ça, alors. On n'avait pas même un énorme pendant pendant l'exposition Tour Eiffel. La Tour Eiffel a même été, pendant un temps, réfléchi comme étant une... Une tour d'ancrage, donc si, c'est L'Empire sûr. State Building, l'été. Puisque... C'est fou, ça. Ça, c'est vraiment incroyable. Pour le Graf Zeppelin. Donc, pour et l'instant, on a Vaudou et Cyberpunk. Ah, Cyberpunk, ça va aller aussi. Récemment, ça va. On fait un deuxième tour avec les trois premiers. Je vous laisse encore un peu voter, les gens. Ok, les trois premiers sont... Attendez, parce que là, ça se tient un peu la bourre. J'attends un petit peu. Ok, donc Vaudou. Excusez-moi, je dois regarder l'écran. Vaudou, Cyberpunk, Paris. Les trois sont cool. Votez. C'était gens. Quoi ce bruit? J'ai entendu une bête. On a réussi le rituel à l'arrivée de la bête. Attendez, je peux vous lire les cartes. Pour le coup. Asie du Sud-Est, Néo-Tokyo, dystopie cyberpunk. Les corporations dominent le monde et se livrent une guerre économique sans pitié. Que nous soyons ouvriers génétiquement modifiés, mafia yakuza, cadres corporatistes aux implants cybernétiques dernier cri ou IA autonome, nous partageons le même but, faire triompher notre culte. Ok. Ensuite, numéro 2, nous avons Paris. Paris, 1920, les années folles. Après l'horreur de la Première Guerre mondiale, le monde change. Inventions, loisirs, jazz, radio, sport. Certains se passionnent pour l'étude de l'inconnu, le spiritisme et le surréalisme. Des profondeurs, des catacombes aux hôtels privés, notre culte se nourrit de cette curiosité pour accroître son influence. Zeppelin. T'es un peu cru ? Ça m'a juste dit... Attends, mais la phrase n'est pas finie, là. États-Unis d'Amérique, de nos jours, Louisiane, l'état du vaudou. Notre culte gangrène cet état du sud, protégé par les politiciens véreux et les flics corrompus. Dans la moiteur des bayous, loin de la surveillance du FBI, nous invoquons les Loas, pour qu'ils nous aident dans notre mission. Zeppelin. Encore. Zeppelin 2. Ok. Allez, 3 secondes. Piep. Ce qui est perdu. Donc le Batman. Celui cyberpunk, c'est littéralement cyborg. C'est... Non, alors c'est plus l'inverse en fait. Je pense que cyborg c'est juste pas intéressant, c'est pas original, c'est très cool. Juste tout ce qui est décrit là, c'est juste cyberpunk. C'est juste cyberpunk, le truc de c'est base, très cool. En fait. C'est juste... Enfin, c'est. Allô. T'as manque de flics pourris. Il y a pas. Non, ils sont pas pourris généralement les flics, puisque il y a pas de flics dans cyberpunk. On les appelle les runners. Dans cyborg, c'est trop bien, c'est qu'ils ont. Donc il y a une phrase qui dit littéralement vous pouvez casser la règle zéro. Voilà, vous pouvez casser toutes les règles du livre sauf une. Il y a une seule exception, c'est la règle 00 qui est absolument incassable. Vous êtes des ennemis des corporations, des flics et du système capitaliste et de Dieu. Wow, c'est okay. Trop cool. C'est la meilleure règle de JDR du après monde. C'est, vous ne pouvez pas avoir de sympathie pour le tien est posé qu'il n'y a pas de flics que des agents de sécurité des corporations. Tout à fait. Et niveau cyberpunk, il y a. Attends, il est où? Il y en a deux là qui sont vraiment cool aussi. Et moi j'attends beaucoup Blade Runner. JDR. Qui sort à la fin de l'année. Mais c'est Blade Runner de Villeneuve ou c'est. Non, c'est Blade Runner qui est adapté de tout Blade Runner. D'accord. Il doit y avoir une chier de l'or du coup là-dedans. Pas vraiment, à vrai dire. D'ailleurs, j'aimerais bien faire le JDR The One Ring que j'ai quelque part. Il doit être là. Quelque part. Il y a Nock
Du coup, One Ring, il doit être... Il est juste dessus, là. Ah oui, là. One Ring. Là, il y a Star Sword 7 et il y a One Ring juste à côté. Très bien. Donc, c'est 2022 Vaudou. Très bien. Yeah. Ensuite. Nous l'avons placé... nous la plaçons au centre de la table. Très bien. Numéro 4. Décidons maintenant de l'objectif du rituel en choisissant parmi trois cartes rituelles celle qui nous inspire le plus. Alors, le rituel sera... Il y en a pas mal de rituels, en fait. Ok, donc les gens. Si nous parvenons à accomplir le rituel, nous éveillerons une entité cosmique qui étouffera les civilisations sous un nuage de cendres. Sur les ruines de l'ancien monde, notre culte règnera. Donc on va appeler ça Apocalypse. J'ai cru que c'était dire Globtopus. C'est vrai que Globtopus, c'est un petit peu ça, enfin le but final. Numéro 2. Si nous parvenons à accomplir le rituel, nous condamnerons les autres êtres humains à la stérilité, menaçant à l'extinction progressive et inéluctable de ceux qui ne partagent pas nos croyances. Notre descendance régnera sans partage sur le monde. On va appeler ça stérilité. Oui. Enfin, extinction. Stérilité, c'est sympa, mais c'est pas assez radical quand même. C'est trop long. Numéro 3. Si nous parvenons à accomplir notre rituel, nous invoquerons une entité ancienne qui nous a promis la vie éternelle. On va appeler vie éternelle. Vie éternelle, c'est pas mal, mais est-ce que c'est que pour nous ? C'est trop lourd. Ouais. Ensuite, nous avons, si nous parvenons à accomplir le rituel, nous ouvrirons un portail vers les contrées du rêve, où le culte s'établira et où nous obtiendrons tout ce dont nous rêvons. Donc, ça c'est un peu baisant. Ça, c'est baisant. Ça, ouais. Ça, c'est une balle dans le pied qu'on se tire, moi, je vous le dis. Le comptable. Ouais, moi, je suis le mec. Franchement, les gars, vous êtes sûrs, là, votre histoire, là ? Attends, NRPZX, tu dis, j'ai testé l'anneau unique. T'as testé laquelle de version ? Parce qu'il y a littéralement 4 versions, je crois. Et je parle de la toute dernière de Free Alligan, qui n'a, du coup, pas tant de règles que ça. Hein. C'est exactement le même système que Tales from the Loop. Donc, je sais pas si c'est ça. Ensuite, nous avons, si nous parvenons à accomplir le rituel, nous ferons éclore l'œuf que nous avons chèrement acquis sur lequel nous veillons religieusement. Les hauts dignitaires du culte disent que son réveil marquera un tournant dans l'histoire de l'humanité. Donc, œuf. Ouais. C'est très mystérieux tout ça, là. C'est ensuite, rigolo, nous ça. Avons, si nous parvenons à accomplir le rituel, une femme que nous avons choisie et gardons jalousement donnera naissance à celui qui a été banni pour qu'il règne sur l'éternité. Je vais l'appeler Antéchrist. Ensuite, nous avons, si nous parvenons à accomplir le rituel, nous invoquerons et asservirons une créature surnaturelle. Nous pouvons alors puiser dans sa puissance mystique pour mener à bien nos objectifs. Donc, je vais l'appeler créature. Et enfin, si nous parvenons à accomplir le rituel, nous ouvrirons une brèche vers le néant. Nous surgirons légions qui nous seront dévouées. À leur tête, nous serons invincibles, que je vais appeler armée. J'aime beaucoup ça. Coup d'état. Moi, je pense que portail vers le monde du rêve, c'est un peu le best. Ouais, j'aime bien. Mais oui, c'est moi, je trouve ça un petit peu inquiétant quand même. De ces rêves. Ça va être juste des furoncles, la perte de vue. Merde, mais oui, du coup. Ça sera des squelettes avec des furoncles. Ça, j'aime pas. Il fait pas trop de rêves de squelettes, Alex, ici. Tu as beaucoup de squelettes en ce moment ? En ce moment, non, c'est plus des dinosaures. Mais c'est flippant, pareil. Putain, ça m'a piqué en fait hier, vraiment. Du coup, ça me gratte. Ah pute ! Le seul clip de hier. Ah pute ! J'ai pas compris que contrées du rêve. Les contrées du rêve sont un lieu de Lovecraft que vous connaîtrez, peut-être, un jour, grâce à une saison de sombre machination. Peut-être. Peut-être. Qui est prévu. Pas sûr. Il y a littéralement un des costumes qui est déjà là. Un certain. C'est un lieu où il se passe beaucoup de choses. Très dangereuses. Oui. Les contrées du rêve. Nanana. C'est les contrées du rêve qui gagnent à sans contexte, justement. Oh. Très bien. Nous plaçons cette carte au milieu du cube. Hop. Une fois toutes les cartes instructions lues, nous continuerons de jouer à tour de rôle avec les cartes actes, qui sont rédigées sous une forme de questions. Elles sont divisées en deux paquets. Nous répondrons aux questions. Ah, c'est au centre de la table, en fait. Oh, on est encore délicieux. Tu regarderas plus tard. Elles sont divisées en deux paquets. Nous répondrons aux questions des actes 1 avant de passer aux questions des actes 2. Ces questions nous permettent d'imaginer ensemble une histoire centrée sur notre culte, de préciser notre rôle dans son organisation et le rituel que nos alter ego ont décidé d'accomplir. Quand c'est ton tour, lis la carte que tu as tirée à voix haute et réponds à la question posée, avant tout les détails que tu estimes avoir besoin pour justifier ta réponse, personnage, lieu, événement. Important,
Utilise les questions des cartes pour tisser des liens entre ton personnage et ceux des autres joueurs. Vous créerez ainsi une histoire riche de rebondissements. Après avoir écouté la réponse d'un joueur à une carte acte, nous lui posons autant de questions que nous le souhaitons pour développer ce qui vient d'être dit et enrichir ainsi notre récit. Quand plus personne n'a de questions, nous passons au joueur suivant. Cette phase est au cœur du jeu. C'est pourquoi elle est rappelée sur chacune des cartes actes par cette signalétique. C'est... si vous voyez pas... C'est blabla question, ça. Ouais. Je pense que oui. Hop. Posons la carte X au centre de la table où chacun peut facilement s'en saisir. Si une carte, une question, une suggestion ou une réponse ne te plaît pas, touche cette carte pour retirer ce contenu du jeu. Si une carte acte qui vient d'être piochée est ainsi retirée, la personne dont c'est le tour en tire une nouvelle. A ton tour, tu peux aussi passer la carte acte que tu viens de piocher au joueur suivant, qui peut en faire de même. Le tour continuera alors à partir de la personne qui décidera de répondre à cette carte. La carte X va donc être placée ici. Ça ne me plaît pas. Je retire la carte X du contenu. Ok. Relou, non ? À la fin du paquet de cartes 2, une personne tirera et lira à voix haute la carte rituelle finale. Cette carte indique que nous entrons dans le dernier acte de notre histoire. Nous ouvrirons alors l'enveloppe, le dernier acte. Dans ce dernier acte, nous déciderons individuellement si nous essayons de faire réussir ou échouer ce rituel en fonction de l'histoire que nous avons racontée et de l'évolution de la position de notre personnage vis-à-vis du culte. Nous utiliserons alors les cartes choix final, loyauté et trahison pour indiquer notre choix. Comme indiqué sur l'aide de jeu dernier acte, le résultat de votre vote déterminera l'issue de notre récit et nous amènera à raconter ensemble la fin de notre récit. La partie sera alors terminée. Avant de commencer la partie, chaque joueur prend deux cartes choix final, une loyauté et une trahison. Donc du coup, on n'a pas le droit au serpent, c'est ça ? Oui. C'est ça. Alors, une trahison. On les lit ou pas ? C'est les mêmes pour tout le monde. Si tu veux, tu peux les lire. Ok. Nous mélangeons séparément les paquets de cartes acte 1 et 2. Pour une partie d'environ 60 minutes, nous enlevons 10 cartes de chaque paquet. 5 pour une partie d'environ 120 minutes. On part sur combien ? Tu voulais pas faire un autre jeu avant, après ? Bon, on va faire déjà une bonne partie, puis on va voir. Partie d'une heure, c'est bien, ouais. Ça me paraît bien aussi. C'est trop, tu n'auras rien. Tu l'as frappé avec la carte trahison, j'espère. Disgrâce. Non, loyauté. Esprit du mal et grâce. Moi, je suis un loyal bon, hein. Je tabasse ceux qui méritent d'être tabassés. Hein. Très bien. Tralala. Ta justification est bonne, c'est à ton tour. Ok, donc je suis chaotique mauvais. Tac. Très bien. J'adore le côté loyal bon, pas du tout. Mélange le paquet de acteurs. Tellement chaotique neutre. Prends ton temps, Croco, surtout. J'ai pas compris qui me parlait à moi. Plus vite que ça. Loyal bon for the win. Alors je rappelle que en vrai, les gens dans la vraie vie qui sont loyal bon, on appelle ça des fascistes. Je le rappelle quand même. En ça vrai. Pourrait être vous, ou vous, ou vous, ou vous. Mais surtout vous. Parce que loyal bon, ça veut dire que tu aimes les règles. Je respecte les traditions. Dans un cadre moral que tu estimes comme être bon. Exactement comme un putain de fasciste. Seule position défendable pour un humanité, pour un humain, pardon, de l'humanité. Neutre, chaotique. C'est bon. Vous pouvez être neutre quelque chose. Ou chaotique quelque chose, ça c'est crédible. Mais Noël, chaotique bon. Mauvais, c'est quoi? Chaotique mauvais, non, ça peut pas possible non plus. Ça c'est juste vous êtes bête. Loyal neutre, c'est plutôt fasciste. Tout ce qui est loyal, c'est fasciste les gens. Ça veut dire que t'obéis à des règles absolument tout le temps. Tu estimes que les règles sont supérieures aux gens. Chaotique bon, je pense que c'est juste bizarre. Mes parents m'ont toujours appris à faire ce qui doit notre être fait. Je décide d'être loyal bon, je finis souvent par à être une forme d'inquisiteur, à faire du mal à tout le monde. Mais oui, c'est ça. C'est anarchiste, chaotique mauvais. Non, parce que tu cherches à faire le mal. Ah oui. Un anarchiste, il veut juste être libre. C'est chaotique neutre, anarchiste. Je suis libre de faire le mal. Chaotique neutre, c'est un humain moyen. Sinon, neutre-neutre, mais neutre-neutre, c'est bizarre. Bon, tout qui est loyal et fasciste, oui.
Si tu interprètes l'axe bon mauvais comme selfless, selfish... Oui, mais c'est pas ça. C'est pas ça dans D&D. C'est vraiment littéralement bon et mauvais. S'ils sont mal mélangés, c'est la faute à Croco. Croco, me dis pas que t'as chié dans la colle. Avant de commencer la partie... Je vois pas comment ça peut être mal mélangé. Avant de commencer la partie 1, nous mélangeons séparément, c'est bon. On retire 10 cartes de chaque paquet, donc... Ok, ouais, c'est moitié moins, quoi, en gros. Bonsoir, Lunazoware 4. 1, 2, 3, 4, Court. 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10. Igog rien, Igog. C'est grave quand même, hein. Ça, c'était ton dernier avertissement. Nous plaçons la carte rituelle finale au centre de la table, puis posons par-dessus, face cachée, le paquet de cartes acte 2, puis le paquet de cartes 1, afin de commencer par cette dernière. D'accord. Donc, dernier acte. Attends, c'est ça ou pas? C'est pas ça. Dernier acte, c'est quoi? Nous n'avons plus de dernier acte. Ah, mais si, je suis con, c'est ça, c'est bien ça. La partie quoi? Non, rituel final, je l'ai pas, la carte rituelle finale. C'était pas ça? Tu t'es défaussé du... Je pense que c'était celle que j'ai dégagée en choix final. Rituel final. Non. C'est bon, tout va bien. Hop. Tout va bien. Rappelons maintenant le contexte de l'histoire et le cas échéant le rituel choisi. Ensuite, le joueur qui souhaite tire la première carte acte 1 et l'histoire commence. Vous retirerez cette possibilité. Donc, il y a ces deux cartes-là qui sont importantes. Résumé d'un tour de jeu, joueur actif tire une carte acte en commençant par des cartes acte 1, il en lit la question à voix haute et répond en inventant des détails et en tissant des liens entre son personnage et ceux des autres joueurs. Il peut défausser la carte si elle ne lui plaît pas et en piocher une nouvelle. Il peut passer à la carte au joueur suivant, qui devient alors le joueur actif du tour. Après avoir répondu à la question de la carte, les autres joueurs posent des questions au joueur actif pour enrichir l'histoire. Quand plus personne n'a de questions, le joueur actif défausse la carte et on continue jusqu'à la carte rituelle finale. Vous avez des doutes, c'est ici. Les cultistes, c'est vous, c'est vos personnages. C'est très bizarre que le style soit très différent de tout le reste. C'est oui. Les noms, Eldridge, Ursula, Lazarus, Esther, on invente le pouvoir, une mutation d'origine. C'est quoi en fait? C'est, je pense que ça n'a rien à voir en fait. Ça, c'est un autre jeu. Je pense que c'est une carte d'un autre jeu en vrai. Non, je pense que c'est une carte bonus pour un autre jeu. Sincèrement, je pense que c'est ça. Mais ça, c'est Exploding Kitten. Ah, parce que regarde, même l'arrière, c'est pas. Non, c'est sûr, c'est moi qui fais de la merde. C'est une carte bonus, je pense. Attends, j'ai pas la carte de truc. Hein. Une carte promotionnelle pour le jeu Donjon et Siphon, c'est ça. Hein? C'est bon, tout va bien. Parce que je me disais, c'est vraiment bizarre, ça a pas du tout sa place niveau DA. Quoi. Ça fait vraiment chelou, non? Oui, oui, oui. Donc je rappelle le contexte et le rituel. Contexte, États-Unis d'Amérique de nos jours, Louisiane, état du vaudou. Notre culte gangrène cet état du sud, protégé par les politiciens véreux et les flics corrompus. Dans la moiteur des bayous, loin de la surveillance du FBI, nous invoquons les Loas. Pour qu'ils nous aident dans notre mission. Si nous parvenons à accomplir le rituel, nous ouvrirons une brèche vers le néant. Nous surgirons d'implacables légions qui nous seront dévouées. À leur tête, nous serons invincibles. Acte 1, début de la partie. Quel membre du culte t'a relevé l'existence de celui-ci? Et pourquoi l'as-tu rejoint? Moi, le culte... Je pense que l'existence du culte, au début, j'étais quelqu'un qui s'intéressait effectivement pas mal. En fait, j'ai fait une... Voilà, je suis étudiant. J'ai fait une thèse autour des mondes des rêves, parce que, ben voilà, notamment le film Inception, mais d'autres, même la série Channel Zero avec The Dream Door, etc. Ça m'a pas mal travaillé. Et du coup, j'ai fait une thèse pendant mes recherches. Enfin, je travaille toujours sur une thèse. Sur les rêves et le fait qu'il y aurait éventuellement un monde où que tout serait lié. Et justement, le membre du culte qui m'a révélé tout ça, c'est le personnage de Mascox qui m'a amené à ça. Alors, c'est lui qui dira comment tout ça. Et donc, moi, j'ai rejoint ce culte pour en apprendre plus et notamment découvrir la vérité autour
des rêves. Est-ce que les contrées du rêve existent? Est-ce que tout ça est vrai? Parce que ça me fascine, le monde des rêves en général. Maintenant, c'est à vous de me poser des questions. Si vous en avez, vous n'êtes pas obligé. Là, je vais te faire après, moi, du coup. Je te pose pas de questions maintenant, comme ça, on va le faire après. T'es un étudiant américain ou tu viens d'international? Ouais, je suis un étudiant américain. J'ai toujours vécu aux États-Unis. Je pense pas que je vivais en Louisiane. Je pense que je suis venu en Louisiane parce que, voilà, il y a l'ambiance, en fait, un petit peu éthérée, parfois, des marais et de la culture vaudou aussi. Et tout ça m'a attiré en Louisiane. Ouais. Je crois pas que tu l'aies dit. Tu t'as dit que c'était le personnage de Mascox, ouais, qui t'a introduit, mais comment tu l'as rencontré? Je l'ai rencontré à la fac, justement. Ah. Et du coup, bah, en gros, c'est vraiment lui qui est venu vers moi. Okay. Au début, moi, je trouvais ça un peu chelou. Mais il m'a dit des trucs qui ont su me convaincre. Et puis, pour être honnête, sa position m'a convaincu. Putain! Je laisse ouvert. À toi. Enfin, sauf si vous avez d'autres questions, bien évidemment. On a le droit à une infinité de questions ou c'est... Bah, il y a autant de questions que vous voulez. Okay. Ouais, c'est des trucs autour de ça, quoi. Mais c'est comme vous voulez. Ok. Ouais. Non, bah là pour le moment, j'en ai pas. Combien de temps ça a pris à mon personnage pour te convaincre de rejoindre? Ça a été. Truc. Ça non, a c'est été... pas grave. Je, là, non, c'est ça le but. C'est... Comme ça, okay. Je vais me faire. Comme ça, je vais. Honnêtement, me faire ça au début. Très long parce que j'y croyais pas en fait, mais il a fallu d'un truc pour me convaincre. Okay. Un truc. Si j'ai une question, ouais. Ça fait t'as pas dit ça faisait combien de temps que je suis dans le culte? Ouais. Je suis le dernier à être arrivé dans le culte. Je suis vraiment le dernier en date à être arrivé. Je suis assez jeune, je suis peut-être le plus jeune du culte d'ailleurs là-dessus. Mais ça fait pas très longtemps, ça fait quelques mois au plus. Et tu penses quoi des autres? Des autres, je suis pas convaincu par tout le monde, notamment à cause de voilà, certaines choses qu'ils ont dit ou d'où ils viennent en général, en termes social, j'entends. Mm-hmm. Mais voilà, moi je suis noob, j'ose pas trop. Plus de questions? Merci. Quelle expérience t'a ouvert les yeux sur l'existence d'entités surnaturelles comme celle que ton culte vénère? Alors, l'expérience surnaturelle qui m'a vraiment ouvert les yeux. La porte ouverte. Toute seule. Toute seule, qui n'était pas fermée. Les gonds qui étaient en place, mais je ne comprends pas. Des traces de boue sur le sol. Ça, c'était chaud. C'est tout simplement lors de la mort de ma mère, qui elle aussi faisait partie du culte. J'ai vu son corps prendre feu instantanément, quelques minutes après qu'elle soit morte, sans aucun artifice utilisé ni quoi que ce soit. On était simplement chez nous, après un repas, peut-être intoxication alimentaire ou quoi que ce soit, mais elle est partie en flammes, mais des flammes qui ont rien laissé, seulement un tas de cendres à la fin. Tout a brûlé, les os, etc. Et c'est cet élément, du coup, qui m'a fait arrêter de douter là-dessus. Du coup, pour toi, les flammes sont une punition ou une récompense? Je pense que c'est une récompense et c'est une preuve de l'ascension. La fête de l'ascension? Ça n'a rien à voir. Alors en fait, ça demande un certain nombre d'âmes. Et est-ce que ta mère est morte dans son sommeil? Non, justement, elle est morte à table. Oui. À table. Je viens de te le dire. J'ai pas entendu. Y'a pas de soucis. J'étais en train. C'était une intoxication. Non, mais j'ai fait une Mascox. C'est une possibilité. Ta mère, ça faisait combien de temps qu'elle. Elle aussi, elle vivait dans le culte? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est un truc de génération en génération ou est-ce qu'elle a été convaincue par quelqu'un? C'est devenu ça, du coup, du fait que j'ai suivi. Mais mes parents m'ont jamais trop expliqué de où ça leur venait, en fait. C'était genre, c'est quelque chose qui était comme ça. Donc c'est possiblement, ça vient d'autres membres arriérés, mais ne les ayant jamais connus. Il va s'enflammer. Il a commencé l'invocation. Le rituel a démarré.
Niali, niali, aïe. Incroyable. Vu que je les ai pas connus, je ne peux pas le savoir. Mais il est possible en effet que ce soit quelque chose qui est suivi sur plusieurs générations. D'accord. T'as pas connu tes grands-parents ? Non, justement. Ouais. Ils étaient absolument tous pas allergiques à la coriandre. Alors, la coriandre, justement. Est-ce que ta mère t'a laissé une trace écrite, un journal, quelque chose ? Alors, justement, l'une des choses du culte qui est assez particulière, c'est que tout se fait à voix orale. Les traces écrites sont considérées comme apocryphes et bannissables, et sous peine, en fait, oui, de bannissement du culte ou d'autres actes plus horribles. Donc on peut dire n'importe quoi tant que c'est pas par écrit, quoi. Exactement. Ok. Très bien. Je mets la carte là. Non. Là, très bien. Donc. Comment ton corps a-t-il changé cérémonie après cérémonie ? Je n'avais plus de prépuce. Ok. Il est tombé. Mince. Alors mon corps a beaucoup changé sur les mois et les mois de ma prise de fonction. Je suis le chef cuisto de la fac. C'est moi qui m'occupe du réfectoire. Le mec m'a convaincu que c'était chef cuisto. Attends. Il t'a fait un filet mignon, mec. Attends. Écoute, wait. Mange ça. Wait for it. Putain. Ça me fait rêver, les papilles. Et bien entendu, donc mon poste d'avant, j'étais bon en bon point, j'étais quelqu'un qui vivait bien, qui mangeait bien, et ça se voyait. Il était bedonnant, c'était quelqu'un de bien en forme, et au fur et à mesure des mois, le corps a commencé à s'affiner, et s'affiner de plus en plus. Pas forcément se muscler, pas forcément tout ce genre de choses-là, juste s'affiner de façon plus naturelle, et pas forcément de... Pareil, et pas de peau qui pendent, pas de... Quelque chose de... Comme une sorte de... Atteindre une sorte d'idéal de corps. Et comment, en fait, je t'ai convaincu de l'entrée dans le culte? En fait, je fais partie aussi d'un club de littérature, et notamment un club qui fait... Où le directeur de la fac fait partie. Et à une occasion, en fait, j'ai eu le moyen de te parler de ce club de littérature, qui t'a aidé pour ta thèse d'ailleurs, et par ma position et les contacts que j'ai avec le directeur, tu t'es laissé convaincre, justement, au jour où j'ai amené mes contacts avec cette personne. Et alors, le symbole qui est en dessous, c'est il faut que je la passe après, l'autre question, c'est ça ? Je sais plus. Non, attends, j'ai deux questions. Tu fais les deux questions okay. Ensuite. À la suite, non, c'est pas grave. Comment penses-tu qu'il réagira à la puissance libérée par le rituel final? Mon corps. Bien entendu. Eh bien, il sera parfait, comme il l'a toujours rêvé, comme il a toujours pensé pouvoir l'atteindre. Malgré les années de sport, malgré les années de tout ce qui a été tenté pour même les opérations pour essayer d'atteindre cet idéal, eh bien, il n'y a que depuis les cérémonies et encore les cérémonies, il a réussi à atteindre ça sans même faire d'efforts. Et donc forcément, bah, il va être bien content. J'ai une question. Qu'est-ce que... Ah, par contre, on n'a pas dit les noms, on s'en fout. Enfin, prénoms, je assume qu'on a les prénoms... Vos prénoms, moi je m'appelle Maxime. Ok, Maxime, je processe, très bien. Grégoire. Ça va saouler. Yep. Quentin. Je connais pas. Très bien. Bah, Alex, très bien. Très bien. Ça me... On t'appellera Pierre. Est-ce que Quentin connaît l'histoire de Grégoire par rapport à sa mère? Et si oui, qu'est-ce qu'il en pense de ça? C'est vrai, ça. Oui, il la connaît forcément par le biais du culte et par le biais des diverses discussions qu'on a pendant les cérémonies. La plupart du temps, en fait, il rebondit sur le fait que sa mère a atteint enfin la place qu'elle rêvait atteindre. Donc pour lui, la destruction du corps, ça pose pas de soucis du coup. Le carbonifère. Bah si, c'était ce qu'elle souhaitait. D'accord, ok. C'est vrai. Son corps a peut-être atteint une certaine perfection, justement.
C'est vrai, peut-être qu'il est parti, on sait pas, parce que ça a rien laissé. Donc c'est possible. Non, non, mais je voulais savoir, ouais, ouais, très bien, très bien. Au vu de ses, propres changements corporels, il est très heureux de voir que... Et elle était heureuse d'ailleurs. Elle le disait souvent. En hurlant. Ah oui, tu m'en veux ! Waouh. D'autres questions ? Est-ce que c'est lui qui a préparé le repas de la merde ? La merde ! Oui. On l'avait invité à manger. Lis les deux questions s'il y en a. Parce que sinon, elles sont vraiment liées. Ah ouais. Ouais, c'est ça, il faut selon toi, à quoi ressemblera ta vie si le rituel est un succès ? Quand racontes-tu à tes compagnons ? D'accord. Moi, je suis Alexander, le directeur de... Et c'est moi qui m'occupe du club, voilà. Donc, moi, en gros, pour moi, ma vie, quand on aura accompli le rituel, en gros, c'est juste... Enfin, on sera au pouvoir, donc on sera riche, on s'en fout d'être célèbre, on sera juste tout puissant. Attends, je rappelle que le truc, c'est ouvrir une brèche vers le néant. Attends, c'est pas celui-là. Je me suis trompé. C'est celui des rêves. C'est contre des rêves. Tu l'as relu après. C'est rêves, et... Je me suis trompé de carte. Attends. Non, oui, tu es parti le rituel. Hein. On est dans le rêve. Tout. On revient. Ok, je vous ai kické. On n'a plus beaucoup de temps. Où le culte s'établira et nous obtiendrons tout ce dont nous rêvons dans les contrées du rêve. C'est ça que je veux dire. Ouais, c'est ça. Donc pour moi, c'est genre on aura du pouvoir à plus savoir quoi en faire. On va être on aura des manoirs, des voitures. Enfin moi, ce que je pense, c'est que on aura tout. On aura absolument tout. Aujourd'hui, j'ai pas grand chose, mais bientôt, on aura directeur tout. De la fac, je suis quand même directeur de la fac de merde. Moi, j'aime pas ça. Et quand racontes-tu à tes compagnons, moi je pense qu'à chacun je leur dis un petit peu ce qu'ils ont envie d'entendre. Si je vois que la personne elle est pauvre, je vais dire il y aura des richesses. Si je vois que la personne a peur de la mort, je vais dire il y aura la vie éternelle. Et voilà. D'accord. Tu parles de pouvoir, mais quelle est ta position dans le culte? Moi je suis pas le grand patron, mais je suis quand même, on va dire, dans les hautes sphères. Parce que nous dans notre culte on a ce qu'on appelle les galons, et moi je suis dans les je suis dans les plus hauts gradés, ce que j'ai payé pour avoir les formations, enfin voilà, c'est un peu compliqué mais vous comprendrez bientôt. Et du coup je suis dans les petits papiers, voilà tout ça, mais je suis pas non plus c'est pas moi qui décide de tout, quoi. Ok. Et Tu connais tous les autres personnages. Bah oui, je connais. Enfin, Mascox, oui. Je connais Mascox parce qu'il était dans le club. Pas Quentin. C'est vrai. Alexander, un peu. Pardon. Quentin. Quentin. Ça va, Quentin. Et du coup, c'est moi qui lui ai dit de parler. Logique. J'ai empoisonné. Et du coup, je connais tout le monde vu que je suis dans les hauts papiers. C'est moi qui, c'est pas moi qui décide, mais c'est moi qui participe au vote de est-ce qu'on fait rentrer quelqu'un dans le groupe, quoi. Quel genre de ressources ta position de directeur permet de ramener pour le culte ? Moi, c'est ressources humaines. C'est moi d'avoir les étudiants, ça me permet de d'avoir des nouveaux esprits. Voilà. Moi, en plus, je suis dans des clubs, club d'échecs, club de mathématiques, latin, grec. Vidéo. Tout ça. Non, les vidéos, c'est des cons. C'est vrai. Et du coup, moi j'ai tout. C'est moi qui m'occupe de ça, du recrutement, quoi. Très bien. On a gagné. Putain, quel manque de respect. Tu sais, les cartes, c'est très fragile. Le culte est une nouvelle famille pour toi. Que t'offre-t-il que tu n'as pas trouvé ailleurs ? Apparemment de la nourriture. C'est central. Et ça m'a permis effectivement de me retrouver avec des gens qui me prennent pas pour un fou, en tout cas quand je raconte toute l'histoire par rapport au rêve. Et ça m'a permis surtout de retrouver un sens de la communauté que j'avais perdu peut-être. Parce qu'avant j'habitais dans une autre ville, comme je l'avais dit. J'habitais plus dans une grande ville comme New York. Et là, y a vraiment ce sens de la communauté. Justement, on mange ensemble, on fait des cérémonies ensemble. Et j'ai très vite été accepté, donc j'ai pu même gagner des galons.
et du coup, bah, ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas, que j'avais pas du tout quand j'étais à New York et que j'ai pu développer un petit peu. Et du coup, voilà, ça m'a beaucoup aidé. Est-ce qu'il y a des moments pendant ces repas, ces grands repas qui sont organisés, qui te dérangent ? Quand il y en a qui prennent feu, c'est super chiant. non, parce que justement, je suis assez ouvert aux différentes méthodes. C'est vrai que le fait qu'on doive absolument manger la bouche ouverte en piaffant, bon, peut déranger certaines personnes, mais moi, non. Et pareil, le fait qu'on mange principalement de la viande qui vient justement uniquement du bayou. Et donc crocodile et autres choses comme ça, enfin, pour le coup alligator plus que crocodile, mais bon voilà, mais aussi des ragondins ou des trucs comme ça, je trouve ça intéressant. Pour moi, ça, il y a une forme écologique en fait là-dedans qui est assez intéressante. Ouais, c'est ça, très écolo. Pas d'autres questions? La musique qui fait un truc au moment où tu passes la carte. Salut, ah non, mais non, c'est bon. On fait tous partie du culte, les gars. Quelle mission as-tu réussi à accomplir pour le culte alors que tu pensais ne pas en être capable ? Faire cramer sa mère. Tu es bouffé un alligator. Le fait que c'est ça le running guy. Sur place. Eh bien, justement, je ne suis pas un des étudiants. Et l'une des missions qu'on me donne souvent, c'est un petit peu justement d'être une personne à l'extérieur qui va aider en fait à amener les étudiants que le directeur, déjà par ses premiers contacts, essaie ne de les ramener vers, pas le... Du doigt. Vers le culte. Et en fait, mon but, c'est d'être cette personne à l'extérieur. Du coup, je suis au courant en fait des gens que tu essaies de convertir. Mm-hmm. Et je viens en rajouter un petit peu des petites choses de ci, de là. Une petite phrase comme ça. Un petit peu les épices. On est vraiment sur la cuisine du coup. Ouais. Je rajoute vraiment là. C'est le bayou comme ça, le gombo. On épices. Rappelle qu'il y a le wrap Louisiane en ce moment. Mais c'est vraiment en créant les épices cajun. Des scènes un petit peu forcées, car ben justement, ce que je fais moi, c'est que je suis dans le théâtre et du coup je me sers de moi et d'autres membres du culte pour créer de fausses scènes aux gens que tu essaies de convertir pour les amener un peu plus à penser et du coup créer une idée. Et à partir de cette idée grandit ensuite. T'as fait une sorte de... C'est pensée. Moi qui vous ai demandé de faire ça. Pas vous spécifiquement. Complètement. Mais en fait, mon rôle est lié au tien du coup. Tu fais le premier pas et moi derrière... Ouais, tu poursuis le... Je poursuis. Okay. Et donc, deuxième partie, la récompense que tu as reçue a-t-elle été à la hauteur de tes attentes ? Bah, disons, ma mère est morte quand même. T'avais-je pas promis la liberté et... De l'énergie réduite pendant un petit temps. Voilà. Sous forme de chaleur. Tu as pu manger et de radiation thermique. La récompense que j'ai eue. Et en fait, je l'attends encore. En fait. Je l'ai toujours pas eue. Elle m'est promise. Patience, et je sais qu'elle m'est due, mais enfin, de fait de ce qui est arrivé à ma mère, de fait des nombreuses choses que j'ai vues, je ne peux pas douter du culte. C'est pas possible. Donc je reste dans l'attente. Mais je sais que quand elle arrivera, la contrée des rêves ne sera qu'à un pas. Faut qu'on s'occupe de votre tante, du coup. Très bien. Encore des questions ? Est-ce que t'as déjà douté que tu aurais cette récompense ? Oui, plus d'une fois. Mais justement, c'était avant l'événement. Et l'événement, justement, m'a assuré que même s'il n'y avait pas la récompense, au vu de celui-ci... Je me casse ! Au vu de celui-ci, je peux pas... Même si je mets en doute, je peux pas mettre en doute le reste. Est-ce que vous faites confiance à Alexander, qui est au-dessus de vous ? Alexander, je lui fais confiance plus comme un collègue, d'une certaine manière, en voyant ça un peu comme un travail, mais sa façon de voir le culte est un petit peu trop opportuniste, et ça me plaît guère.
Je vous emmerde, mon petit pote. Vous ne le savez pas. Je ne vous l'ai jamais dit en face. Non. Maskosk. Un jour, un membre du culte dont tu es proche t'a confié avoir divulgué certains de vos secrets à sa famille. Comment as-tu réagi ? Généralement, quand il y a des trahisons, des leaks, des fuites, et une des raisons pour laquelle il n'y a pas de traces écrites dans le culte, c'est justement pour éviter ce genre de situation. Et quand ce genre de situation arrive, eh bien, il y a un protocole, une sorte de protocole, qui est de faire disparaître cette personne, de la... brûler. What ? D'une certaine manière, non. De la... comment dire... la donner pour nourrir... croco. Nos bêtes. Alligator. Les ragondins. C'est-à-dire qu'on les met... on les donne au bayou pour que le bayou soit plus fort et soit meilleur pour qu'on puisse ensuite consommer les traîtres. Et c'est une sorte de moyen d'éviter les cauchemars. J'ai cru les cochons, j'étais en mode... Les cochons. Éviter les cochons. Les cochons. Ils sortent du bayou. Pourquoi as-tu peur des cochons? Donc généralement, ma réaction, c'est presque... Hé, c'est bien. Ça fera plus de puissance et plus de force. Pour nos rêves. T'as déjà agi justement dans ce cas-là pour nourrir le bayou? La plupart du temps, c'est moi qui découpe, au vu de mon métier, les pièces de viande qui sont réparties un petit peu partout. Est-ce que tous les membres du culte, du culte, sont au courant de ça? Non, seulement une partie. Seulement ceux qui ont déjà eu une introduction, qui ont déjà eu une vision et qui sont déjà convaincus peuvent être au courant. Mmh. Sinon, les autres pourraient être beaucoup trop effrayés et s'en aller. Mais bon, effectivement. Quand ça arrive, ça ne fait que nourrir le bayou. Est-ce que tu as déjà nourri au bayou des gens qui étaient complètement non liés au culte et qui justement n'avaient pas boit à fouet des totals innocents? Jamais, parce que on pense que ça peut avoir une mauvaise influence justement dans la contrée des rêves. À chaque fois, on s'est dit, là, mais lui, il nous a trahi. Donc, on s'est dit, c'est bon. Et on le connaît pas. Oui, mais il nous a trahi. J'ai pas de questions. Alexander, answer your question, little boy. Quel aspect du rituel final t'inquiète le plus? Comment essaies-tu de te rassurer? Moi, ce qui m'inquiète le plus dans le rituel final, c'est principalement partagé. Avec qui? Combien de personnes? Ça, c'est une des choses qui m'inquiète. Maintenant, je me dis qu'il reste du temps avant le rituel. Et il est toujours temps d'élaguer si jamais certaines personnes sont pas prêtes. Ou trop appétissantes prêtes. Pour les crocodiles. Ou inflammable. Le fait qu'il y ait le running gag qui est pas de culte, c'est juste des mecs qui crament d'autres et d'autres qui lui foutent un machin. Et l'autre qui est à mode, maintenant, tu atteins le nirvana. Je t'aime. Smell like the spirit, ma gueule. Les cochons du bayou. C'est juste des mecs à poil. Est-ce que du coup tu as déjà manipulé le personnage de Maskox pour qu'il tue quelqu'un? Manipuler est un mot très fort. Non, je dirais plus que je lui ai rappelé les règles du club. Du club. Non, mais le club entre littérature. Le club de tueur. Du feu du bayou. Le feu du barbecue. Barbecue station, motherfucker. Et je lui ai donné des épices. Un peu de mais du coup, disons que oui, après, oui, on peut dire que c'est une sorte de manipulation, oui, mais après, est-ce qu'il en a conscience? Je pense qu'il est très heureux de faire partie des gens que j'ai choisis personnellement pour faire partie de, voilà, des élus.
Oui. Et donc du coup... De toute façon, ça se voit, son maligne. Voilà, du coup, bon, j'en dirai pas plus, mais il n'est pas censé le savoir. Il n'a pas censé le remarquer, en tout cas. Il ne l'a pas remarqué. Fais un jet de... Avez-vous d'autres questions pour Alexandre? Non. On a pas mal défini qui était qui, c'est intéressant. Il reste... Je précise que moi, j'aurai la dernière carte de l'acteur. Du coup, je n'ouvrirai pas l'acte 2. Non, pas de question. Pas de question? C'est très bien. Non, pas maintenant. Grégoire, j'ai peut-être buté ta mère. Enfin, je... peut-être que ça vient de... On verra, on verra. Who knows, who knows. On finit acte 1 avec cette question. Ok. Juste grâce aux enseignements du culte, tu as découvert que tu possèdes des dons occultes. Lesquels? Comment les utilises-tu? Je pense que c'est assez évident, forcément. Hein. Mon don est de mettre le feu à des gens et de nourrir les crocodiles. Non, non. Mon don He est de... the one. She's ready. Non, non. J'ai pu, effectivement, avoir des rêves sans furoncle. Wow. Le running gag des furoncles. Non, j'ai pu avoir des rêves où vraiment j'agissais sur mes rêves. Et qu'est-ce qu'il y a, Alexis? Bah, comment ça, ça a bougé? Quoi? Bah, le câble a fait bling bling. Non? Si, il vient de le faire. D'accord, c'est pas grave. C'est trop bizarre. Du coup, le. Mais il y a du vent. Le fait est que j'ai pu parcourir mes rêves, découvrir des lieux et commencer à faire une cartographie des rêves. Et c'est à ça que je. En fait, j'utilise pour mes études. C'est vraiment ça qui m'intéresse le plus. Moi, je suis. En fait, tout l'aspect. Dangereux, occulte, sombre du culte, je l'ignore en fait. Volontairement ou involontairement, je ne sais pas. Mais toujours est-il que bah, moi je me laisse facilement manipuler par tout ça parce qu'en fait ce qui m'intéresse c'est le savoir. Peut-être qu'un jour je découvrirai tout ça, ça m'horrifiera. Ou peut-être que je me dirai ça vaut le coup, je sais pas. Avez-vous des questions? Est-ce que tu crois souvent dans la cartographie de tes rêves des. Lieux qui sont liés aux flammes. Oui. Mais étonnamment, justement, en fait, j'ai remarqué que c'est quelque chose qui a. Enfin, en fait, il y a la cartographie du monde des rêves est variable, évidemment. Adaptée, c'est dur de cartographier parce que chaque pensée qu'on a, en fait, fait changer les lieux. Une tour chez quelqu'un peut être un phare chez une autre, peut être un immense arbre chez quelqu'un, tu vois. Mais les notions du feu ont commencé à apparaître vraiment quand j'ai beaucoup discuté à un moment avec Alexander. Avant, il n'y avait pas vraiment cette notion du feu. Donc, j'avoue que je trouve ça étrange. Mais voilà. Et Alexander, tu lui as montré tes cartes à quel point? Enfin, tu lui en as parlé? Moi, je lui en ai parlé. Ouais, mais à justement, quel point? En fait, j'ai pas... comme j'ai dit, je suis vraiment ingénu par rapport à tout ça, donc je cherche c'est pas. C'est un génie, je vous l'avais dit. Je cherche pas à. HPI. Je cherche pas à. En français, ça prend du feu. Je cherche pas à manipuler ou à cacher quoi que ce soit à Alexander ou aux autres d'ailleurs, parce que pour moi en fait, on est tous égaux. J'ai pas cette notion, comme je l'ai dit, de voir le truc occulte, de voir le truc négatif. Certains sont plus égaux que d'autres. mais du coup, oui, quand j'en ai parlé, je suis assez ouvert sur mes recherches, etc. Et justement, ça n'a fait que peut-être même empirer le fait que je voyais des trucs en feu par rapport à tout ça. Est-ce que ça veut dire qu'il est responsable? Ça, c'est pas à moi de le dire. Et est-ce que t'es au courant des agissements de Quentin, justement, par rapport au... Maxime? Putain, mais c'est Quentin de la cantine! Ah ouais? Quentin, oh là là. Quentin de la cantine. Cantine! Il fait manger les crocos, c'est des alligators! Du ragondin! Je sais pas pourquoi il y a le... Très bien. Non, pas du tout. Il est pas au courant, ça. Pas du tout. Et justement, c'est ça le truc, c'est que même si j'ai peut-être entendu des rumeurs, je les ignore parce que ça m'intéresse pas, en fait. Ouais. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le savoir. Est-ce qu'il voit des membres du culte dans ses rêves? Oui. Et on ceux peut, qui ont brûlé et disparu. On peut se croiser, mais quand on se croise, on ne se voit pas. Enfin, on doit comprendre que c'est l'autre. Et on n'a pas le physique qu'on a, parce qu'en fait, on ne fait que projeter sur l'autre. Donc, quelqu'un peut avoir... ça peut être un lieu. Ça peut être une personne, ça peut être un monstre, ça peut être... voilà. Donc c'est très compliqué. Une voix, ça, voilà. Est-ce que Alexander te traite de manière spéciale par rapport aux autres? Un peu, mais j'en ai pas conscience. En mais fait, ouais, non, mais je ouais. m'en rends pas compte. Okay. Et les autres le remarquent? Ça,
Je ne sais pas. Ouais, ça, je ne peux pas dire. Ok. Let's go, acte 2. Acte 2. Ne lisez pas cette carte à voix haute. Trahissez-le. Burn them all. À quoi as-tu renoncé pour le culte à ma mère? Faux, tu en faisais partie avant, tu l'as dit toi-même. C'est un menteur, un menteur. Tu manipules l'extraterrestre. Tu m'as dit 4 raisons, tu m'as dit 4 raisons. Justement, en fait, ce que j'ai renoncé, c'est... Je vais fermer la fenêtre. Bah, comme je l'ai mentionné, du coup, je suis acteur dans des théâtres, mais j'écrivais aussi des pièces. Et ce que j'ai dû renoncer, c'est toute forme d'écriture, puisque je suis allé au-delà, c'est je n'écris plus rien. Et donc, du coup, j'ai dû arrêter ma carrière aussi de metteur en scène, du coup. Et t'en vois que des vocaux quand tu téléphones? Exactement, qui sont trop longs et je dis aux gens de les mettre en x2 parce que c'est mieux. Et comme tu fais qu'est-ce que je voulais dire? Plusieurs choses. Je sais pas plus il parle et franchement je trouve ça bête. C'est en deuxième partie. Attends, attends, une deuxième partie. Pourquoi cela t'est-il douloureux? Toutes les questions à la suite parce que sinon ça n'a pas de sens. Je les lis de. Il faut tout lire et après. D'accord. Okay, je t'ai écouté, Maxime. Okay. Je l'ai fait comme tu l'as demandé, Maxime. Et moi aussi. Pourquoi cela t'est-il de plus en plus douloureux alors que nous nous rapprochons de la date du rituel? Ça devient compliqué parce que justement, c'était aussi, enfin, à partir d'un certain stade, c'était devenu un moyen en fait pour moi d'exprimer ma foi que de la mettre en scène justement et de préparer des pièces là-dessus. Et le fait que ça ait stoppé ça, ben, ça m'a empêché justement de pouvoir être un autre vecteur afin de convertir d'autres gens. Ouais. Du coup, donc, t'as renoncé d'écrire lié à la peur de laisser une trace. Est-ce que tu sais qu'on peut pas laisser aucune trace dans le culte? C'était de la peur, oui, mais aussi une idée de si je suis les règles plus que les autres, peut-être que les choses au-dessus de nous s'en rendront compte et me choisiront plutôt qu'un autre. Attendez, c'est pas normal. C'est censé être exemplaire. Est-ce que tu es au courant que certaines personnes ont des écrits par rapport au culte? Je le sais. Et justement, je me dis, tant pis pour eux. Je les laisse, en fait, en connaissant, je les laisse les avoir, mais je sais que boucave, quoi. Ils se sont auto-foutus dans la merde. Ouais. Quand je t'ai dit de brûler tes pièces, est-ce que ça t'a fait du mal? Bah forcément. C'est forcément que ça m'a fait du mal, mais après quelques temps, et après avoir mûrement réfléchi, comme je l'ai mentionné, je suis plutôt content de l'avoir fait. Fort bien. Sa pièce qui s'appelait Mama. Oh merde, c'est trop bien. Un autre membre du culte a provoqué la mort accidentelle d'une personne que tu aimais. Que s'est-il passé? Maroc. Comment as-tu réagi? Les crocodiles ont eu plus ça. Les guenous ont les crocodiles sont obèses. Ils ne veulent plus manger, nous ne pouvons nourrir que les ragondins. Les cochons vont arriver, je vous avais prévenu. Ah, les cochons du Bayou. Ah, c'est des cochons crocodiles. Ils ont appris. Ils ont appris à lire. Nous sommes foutus. Il y en a qui les écrivent. Deux règles, les cochons. Et les écrivent, vous n'avez rien respecté du tout. Nous n'avons plus d'essence pour les battre. Vas-y, excuse-moi. Prenez mes galons et partez! Partez! Okay. Ok. J'avais envie de dire un truc horrible, mais non. Ok. Donc, oui, alors Alexander. C'est bien Alexander qui a. Gros cochon. Les crocochons. Les crocochons. Ça me dégoûte. Que quelqu'un design un cochon
avec une bouche de crocodile. Mais ça reste un porc. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais il a une grande bouche de crocodile. Il a juste le museau qui est beaucoup plus long, toujours avec le groin et des crocs de... Franchement, super design, vous faites ça, vous êtes millionnaire. Et vous pouvez en plus avoir des trucs de facochère en plus. Oui, des grès ou des défenses. Ou des dagues. C'est tellement vieux comme délire. Ce dague-là, ça ressort. Donc oui, c'est Alexander qui a provoqué la mort d'un des membres du culte que j'appréciais beaucoup. Oupsi. Avec qui j'étais très proche, avec qui je discutais beaucoup. Et c'est une des premières fois où je me suis rendu compte qu'il était plus manipulateur qu'on ne le pensait. Il a clairement écrit des fausses lettres d'aveu. Des lettres qui étaient destinées à la police. Tu vas pleurer. Mais Quentin de la cantine, arrêtez d'agresser Alexander. Je suis vraiment le mec de merde qui te défend. Et tout. Oui, t'es le putain de Quentin. Je ne comprends pas. Mais pourquoi Quentin, vous avez toujours été un cuisinier. Mais Quentin, c'est grâce à lui que vous avez perdu du poids. Mon cœur. Non, c'est grâce à mon implication dans le culte. Quentin, pourquoi vous prenez. Et donc on dit bonjour à Baki. Bonjour Baki. Bonjour Baki. Baki, question existentielle, tu préfères te faire bouffer par un crocodile ou par un cochon? Allez. Ah, le cochon ne laisse rien. Ah, le crocodile. le crocodile, c'est sûr. D'ailleurs, cette personne que j'aimais fort s'appelait Baki et elle a été trahie par Alexander. Putain. En écrivant de fausses lettres d'aveu qu'il était censé remettre à la police. Mais au vu des connexions qu'on a avec la police, elles m'ont été remises. Et... comment j'ai réagi? J'ai réagi en étant le bon petit soldat. Mais qui dit par un cochon à défaut de pouvoir en manger, il faut bien que l'univers se venge. Nice. Good one, boy. Nice. Ouais. Très bien. Est-ce que tu planifies une vengeance quelconque? Contre Alexander? Ça m'est passé... J'y ai pensé. J'y ai pensé et j'ai arrêté pour être fidèle au culte. Et je me dis que, un peu comme le personnage de Grégoire, je reste fidèle à mes croyances et à ce que je dois faire. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce que j'avais à faire et de continuer d'agir dans le sens du rituel. Et je me dis que le prochain repas ne sera peut-être pas de l'alligator. Du cochon, ouais. Est-ce que tu es conscient que la mort de Grégoire, c'est peut-être ce qui ferait le plus de mal à Alexander? Pourquoi tu es Grégoire? Pour te venger, voilà. Pour tuer quelqu'un de proche de moi. Tu sais à quel point j'aime Grégoire. Grégoire est une personne formidable. Sa perte me rendrait... Je ne me baisserai pas à ce niveau-là. Tristesse. Pas d'autres questions? Pas d'autres questions. Mais c'était pas du tout ça. Alors, tu penses que le culte ne dit pas toute la vérité sur le rituel? Qu'as-tu appris? Avec qui partages-tu cette information? Effectivement, j'ai appris que potentiellement, il n'y aurait que quelques personnes qui pourraient rentrer dans le monde des rêves et que je ne sais pas exactement qui seraient ces personnes, qui seraient dignes de rentrer. Je ne sais pas non plus combien de personnes. Je sais juste qu'on est trop nombreux. Et j'ai partagé cette information avec Maxime. Parce que je pense qu'il fait partie des élus. Je pense qu'il peut m'aider à rentrer dans le monde du rêve. Est-ce que c'est pour ça que tu as permis des écrits avec notamment lui pour ses recherches? Tout à fait. Parce que je me suis dit qu'il fallait... Enfin, que cette règle des écrits, de toute façon, c'était une règle... voilà, juste pour passer des trucs de loi et tout. Mais moi, j'avais besoin... voilà, que lui... Parce que pour moi, la personne qui gère le culte n'est pas un des élus. Mmh.
Pour moi, toi, tu es ce qui se rapproche le plus d'un élu. Et donc pour moi, il fallait te donner tous les, il fallait te donner carte blanche. Et donc du coup, j'ai fait en sorte que tu puisses faire ce que tu veux. Est-ce que le fait qu'il ait réussi à accéder plus en profondeur dans les contrées du rêve que toi, est-ce que ça te fait peur de ne pas pouvoir toi-même atteindre ? Ah non, au contraire, moi je pense que j'ai jamais été aussi proche de l'atteindre que maintenant. C'est-à-dire que avant. Merci. Vous avez entendu ça, les trompettes de l'apocalypse ? C'est le moment, fils. C'est des cochons à trompette, barrez-vous. Je peux vous dire qui a typé dans quelques secondes, je pense. Pas encore. Not yet, not yet. Donc le cochon crocodile devra jouer de la trompette. D'autres questions? Tu avais pas fini de répondre peut-être. Ouais, c'était quoi la... Ah non, c'est bon. Oui, donc... je rappelle juste... Voilà, avant... J'étais pas certain, mais maintenant, grâce à Maxime, c'est bon. Là, je. T'es rassuré. Je suis rassuré. Je pense que je vais faire partie des. D'accord. J'ai littéralement posé la question. Est-ce que tu es vraiment certain de ça? Tu viens de répondre. Ah oui. Non, mais par contre, je suis certain que je vais faire partie des élus. Ou personne d'autre. Mais ça, vous ne le savez pas. Pas d'autres questions. Quel autre membre du culte a questionné ta motivation à accomplir le rituel final ? Quelle épreuve as-tu surmonté pour prouver à tous qu'ils peuvent compter sur ta loyauté ? Pardon. Justement, c'est Quentin qui a fini par questionner ma motivation parce que il est tombé sur mes écrits, sur les recherches. Mais vous avez pratiqué du sexe du cul avec cet homme ! Ce lépreux! C'est trop bien qu'on ait cherché pendant tout un live à l'avoir, ce putain de son, et qu'on l'a là d'un coup. Donc merci maintenant, beaucoup, c'est sûr, on va faire la campagne avec le culte. C'est sûr. Quentin a dit ça, et du coup, l'épreuve que j'ai dû surmonter pour prouver à tous qu'ils pouvaient compter sur ma loyauté, c'est de brûler toutes mes recherches, les recherches d'une vie, mais ma vie, pour prouver que oui, j'étais pas attaché à ça finalement, le savoir était plus important. Et ça a un peu teinté, on va dire, mon lien avec, certes, Quentin, mais surtout avec ce culte, et ça m'a fait prendre un certain recul, pas remettre tout en cause, parce que je suis toujours lié, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Mais du coup, Alexander est au courant que t'as brûlé des trucs ou pas ? Ah oui, tout le monde. Et il l'a pris comment, lui ? Je pense qu'Alexander... À essayer de me dire qu'on pouvait faire autrement, etc. Mais que moi, je ne l'ai pas écouté. Pas parce qu'en fait, je n'ai pas saisi, en fait. Mais il me disait, tu vois ce que je veux dire ? Et j'étais en mode, non, mais je dois faire ça, quoi, en fait. Donc, je l'ai fait. Comment t'as convaincu tout le culte de ne pas subir la punition habituelle ? Parce que tout le culte... Le gobe-mirette. Je pense que le reste du culte a conscience du fait qu'effectivement, je suis un de ceux qui est allé le plus loin et qui est le plus nécessaire, en tout cas dans le rituel. Alors, je suis pas le seul, du tout. Mais et le fait est que j'ai été clair sur le fait que j'avais mal compris cet élément-là. Il était jeune, il ne savait pas. Et en vrai, j'ai pas mal compris. On m'a mal instruit, c'est ça la notion. Mais du coup, j'ai joué carte sur table, j'ai été clair et j'ai tout brûlé rapidement, même si ça m'a blessé. J'ai essayé d'être le plus transparent possible. Donc c'est pour ça que je n'ai pas subi. Mais après j'ai eu quand même. Que la moitié, une jambe. Ouais. Une de mes jambes est devenue un crocodile en fait. Dans Hunt Showdown, il y a une paire qui s'appelle Alligator Legs. Bah écoute, voilà. Autre question. Tu as répondu à ma question dans ta réponse. D'accord. Donc, c'était pour les alligators, ça. Gros cochon, pardon, excusez-moi. Un représentant d'une branche dissidente du culte se rapproche de toi. Que t'offre-t-il en échange de ton aide pour saboter le rituel ? Qui a surpris vos discussions ? Un jambon de gros cochon à la sauce cajun. Merci beaucoup, Liné. Du coup, Katipé.
Ce n'était pas un membre dissident à la base. C'était même un des membres les plus fidèles, mais il s'est avéré qu'il a eu quelques questionnements. Et ce membre, c'est Quentin. Et justement, lui, il est plus dans l'idée que la vision que lui, il a, se rapproche peut-être plus de la mienne par rapport au culte, et que le rituel que cherche à créer, surtout Alexander, avec l'aide de Maxime, est en fait un petit peu une sorte de... comment dire, une sorte de culte parallèle au nôtre, mais plus compliqué à avoir plein d'adhérents et de suivants avec celui-ci, plutôt qu'avec celui qui a été créé de toutes pièces, afin que, du coup, afin de pouvoir créer... Votre phrase est trop complexe, mon cher Grégoire, je n'ai rien compris. En vrai, t'as pas compris, tu veux que je recommande? De quel culte tu parles? T'as utilisé une expression qui n'était pas la bonne. Une expression? Ouais, t'as dit créer toute pièce. Or, non, justement, c'est l'autre qui a été créé. Et on n'a pas le droit de décrire des pièces en plus. Non, mais en vrai, reprends ta phrase depuis le début. En gros, et pour reprendre, donc, pour citer simple, le culte dans lequel nous sommes tous a été en fait fabriqué de toutes pièces. C'est bon là? Mm-hmm. Ok. Fabriqué de toutes pièces afin d'amener à. Un rituel final qui n'est pas celui que tout le monde pense viser. Mmh. Et celui-ci, du coup, ce véritable culte derrière, est géré par Alexander avec l'aide de Maxime. Et justement, des gens comme Quentin s'en sont rendus compte, Grégoire aussi, du coup, en partie. Et du coup, lui, Quentin, ce qu'il m'offre à ça, c'est justement d'arriver au but réel. Du culte véritable vous avant les deux autres notamment et qui a surpris vos discussions justement c'est Maxime qui était rentré un peu tard dans la cantine et nous a entendu peut-être que tout se passe dans la cantine. La bouffe est très importante dans ce culte. Ah, je l'ai vu, nous a entendu beaucoup depuis les cuisines. Voilà. Et question, est-ce que ça a mis en question des choses par rapport à la mort de ta mère et tout ça, du coup Oui, très clairement. Et je me suis mis du coup à rechercher par rapport à ça, à essayer de comprendre qu'est-ce qui aurait pu faire ça scientifiquement. Et du coup, je suis toujours dans cette phase de recherche, mais... Je pense qu'il y a un moyen de le relier à cet autre véritable culte. J'ai du mal à me dire. Ces intellectuels. La cultina. Dis quelqu'un. Avec des cocos. Des les alligators. Des et les petits des cochons. Gros cochons qui ont des trompettes. Les cochons. Du maillot. Il faut gric gric gric. Voilà. D'autres questions pour monsieur? Non. C'est bon, quoi. Come, child. Danke. Putain. Au sein du culte, tu as enfin trouvé l'amour. Qui est-ce? Comment est-ce arrivé? Que crains-tu maintenant? Alors... Je pourrais être ton Alexa. Tu sais que la veuve d'un crocodile est délicieusement tendre. Greg, t'as dit croc croc. Tu veux faire croc croc avec un gros cochon de ton près de ton bayou? Alors viens dans la cantine. Alors, qui est-ce? Ça peut être quelqu'un d'inventé en vrai. Ah oui, ça peut être quelqu'un d'autre. À l'approche du rituel, au vu des mois qui s'avancent et qui s'avancent inéluctables vers le rituel final, les véritables, je vais pas dire propriétaires, mais fondateurs du culte se sont présentés. Et ils sont deux,
Et ils œuvrent en fait dans l'ombre depuis le début, et ils nous ont tous testés en fait depuis le début avec diverses choses pour voir si le culte pourrait tenir quelques discords. Et allez sur le Discord du culte d'ailleurs. C'est cool, on recrute, et vous avez une brochette de Discord cochon.gg/globi. Et donc c'est la seconde de fondatrice avec qui j'ai trouvé l'amour. Et donc c'est arrivé, bien entendu, avec leur présentation devant l'entièreté du culte. Et maintenant, ce que je crains le plus, c'est de devoir la sacrifier, elle, pour atteindre le rituel final. Parce qu'ils nous font référence au dernier sacrifice, à la dernière consommation. Les crocodiles, quoi. Ah ! Et il reste très très vague malgré tout, et c'est justement ce côté vague. Ils ont une sorte d'étrange pouvoir sur nous et sur tous les membres d'ailleurs, hein, depuis leur arrivée. Et les rêves de tous les membres sont très vraiment... chelou, hein, cette préquelle d'Entre les Crocs. J'avoue. Hein. Mais les rêves des donc de tous les membres sont devenus beaucoup beaucoup plus intenses depuis, et notamment ces deux figures. Ces deux fondateurs sont omniprésents durant ces rêves. Quand je vois les fondateurs, je lève ma maglite et je fais coucou. C'est nous. On fait rien de grave. Ok. Je tire en l'air. Comment s'appelle la meuf? Germaine. En plus, Germaine, c'est vraiment un nom masculin, mais ouais. Ok. Non. Je sais pas. Lola. Lola. Ok. Pourquoi? J'ai pas fini. Parce que. Comment? Demain. Wow. Pourquoi? Putain, demain, je vais me faire bouffer par un crocodile début. Ça commence, ça fait salut tout le monde. Et là, après, t'as 2 heures de live vite. Toi qui te fais doucement gérer, ouais. Immonde. Ok. Pourquoi as-tu contacté Grégoire en lui disant tout ce que tu lui as dit, que j'ai mentionné précédemment? Pourquoi Grégoire? C'était celui qui était le plus vers l'extérieur. C'était celui qui avait peut-être le plus de recul. C'était celui qui avait le moins de lien avec Alexander. Je peux enchaîner sur une deuxième question ou pas? Ah oui, attends, okay. Tout le monde pose qu'il Est-ce veut. Que tu en as contacté d'autres de la même façon? Pas de question de suite. Par contre, toi, t'as le droit de répondre qu'à une question. Insupportable. Oui. Est-ce que tu avais remarqué qu'Alexander était caché derrière le buisson? Est-ce que tu crois qu'Alexander le sait pour toi et Lola? Je pense que tout le monde le sait. Et je pense que Lola a une influence sur plus de personnes que moi. Le crocochon a été fait par... Nécour. Par Nécour. Oh la vache. Attendez, je vous montre un petit peu dans le live, je sais pas si on verra beaucoup. Mais... Ah, ah. Parfait. Attends. Ah, c'est impeccable. Tac. Oh non! Parfait. Il est incroyable. Nécour, reine des micro-cochons. Des crocochons. Ah, je suis un crocochon! Ah! Oh, bien. Donc tu dis, ouais, ok. Yep. Je prends un. Ouais, ouais. Hop, voilà. C'est tout? Oui. Moi, j'ai pas de questions. Take it, child. Qui as-tu aidé à infiltrer le culte? Pourquoi? J'ai aidé un membre qui s'appelle Zachary.
Je l'ai aidé à infiltrer le culte en disant voilà, que c'était un vieux membre, etc. Personne ne le connaît. Et en fait, je l'ai engagé, entre guillemets, pour qu'il soit mon homme de main, pour peut-être remplacer quelqu'un qui ne ferait plus suffisamment bien son travail. Et au cas où, j'ai besoin de quelqu'un de confiance. Et donc, ce Zachary me suit partout. Et est très silencieux. Et voilà, il reste avec moi. Et je lui ai dit à tout le monde qu'il était muet. et voilà. Et c'est tout. Attends, je vérifie si... Non, c'est bon. Depuis combien de temps cela dure ? Depuis que j'ai des doutes sur certaines personnes. Étonnamment, Maxime s'ouvre de moins en moins à moi. Et je sais pas, Quentin a l'air de plus en plus réticent à exécuter les ordres qui viennent d'en haut. Donc j'ai cru comprendre que ça, enfin qu'il y avait peut-être un début de relation avec un des hauts membres et ça me plaît guère. Donc du coup j'ai décidé de prendre les devants. Donc c'était il y a quoi, quelques mois. Il fait ça par peur ou par jalousie ou égoïsme? Par pure calculation. Non, je pense qu'il fait ça parce que... Non, il a pas peur. C'est juste qu'il veut pas... Hein. Enfin, il... C'est quelqu'un de malin, Alexander, en fait. Il calcule pas de risque. il a pas envie de finir en croquette pour Crocopoule. Crocopoule. Yep. Alors, tu as fait un mélange avec... C'est autre chose. Yes. Crocochon. Est-ce que Alexander a peur de perdre tout et d'être peut-être même sacrifié avant le rituel? Ça ne peut pas arriver. Donc il n'a pas peur. Je pense qu'il a très confiance. Pas d'autre? Des enquêteurs se rapprochent de toi pour mettre un terme aux activités du culte. Quel moyen de pression utilisent-ils pour essayer d'obtenir ta collaboration? Ils viennent vers moi et me montrent en fait des photos de restes trouvés dans des alligators. Ils me montrent des enregistrements de justement Quentin et Alexander qui discutent et qui s'arrangent pour ça. Il me montre les traces de disparition, etc. Il me montre justement l'histoire de la femme enflammée. Et il me montre diverses choses comme ça. Et la pression qu'ils me font, c'est qu'ils me disent que je vais perdre peut-être ma scolarité, ma bourse. Et que je vais devoir retourner dans ma famille, etc. Donc ça m'inquiète, mais ça me fait rire. Mais ça me fait un peu peur. T'as osé, je vais pas soulever le PC pour celui-là, mais il est beau aussi. Il est grand. En vrai, il est vraiment. Ouf. Bah, il est trop bien. Parfait. Le côté réaliste nul. Trop bien. Est-ce que c'est bon ? Oui. Est-ce que Alexander t'avait prévenu en amont que quelque chose comme ça pouvait arriver, que tu allais peut-être rencontrer des gens qui allaient te faire douter, qui allaient te dire des choses fausses ? Je sais pas que Alexander. En fait, Alexander me l'a dit plus généralement. Me l'a dit aussi pour le culte. Mais oui, on m'avait déjà prévenu que ça pourrait arriver. Et donc du coup, moi, j'ai pas. Ça m'a pas fait peur, et encore une fois, bon, oui, ils peuvent me retirer mes bourses, mais... On s'en fiche. Je m'en fous, parce qu'il y a le côté révélation qui m'intéresse plus, et voilà. Maintenant, ça me fait réfléchir. Tu sens qu'il y a quelque chose de plus grand devant toi qui arrive, et donc du coup, tu fais confiance à ça. Pour l'instant. Et tu penses que ça arrivera, le rituel arrivera assez tôt avant de te faire attraper. J'espère sincèrement. Qu'est-ce que tu fais pour éventuellement ralentir l'enquête ? Je peux pas faire grand chose de mon point de vue parce que je suis pas du genre manipulateur et donc j'essaye juste de mettre une distance, d'être vague, mais j'influence pas plus que ça en fait. Parce que j'en ai peur en fait, honnêtement. Donc ta foi est plus grande après cette intervention de la police?
Normalement, oui. Est-ce que tu m'en parles de cette intervention? Je pense que j'en parle au culte. À tout le monde. Toi, évidemment, mais à tout le monde. Ah, par contre, est-ce que tu peux répondre? Parce que, est-ce qu'on prend une décision? C'est ce que j'allais dire. Est-ce que, quelle a été la réaction du culte à... D'accélérer les choses. Oui, must go fast. We must kill the boy. We must hit the boy. La dernière question de l'acte 2, après nous passons au rituel final. Merde. Tu as tenté de quitter le culte une fois. Tu ne recommenceras plus jamais. Pourquoi? Eh bien, ma mère est revenue. Dis donc. Mes jambes sont devenues des crocodiles. Je les ai bouffées après. Maintenant, j'ai peur des cochons. Ils m'ont coupé une oreille, ils m'ont donné à manger au cochon. C'est une très mauvaise idée, Grégoire. J'imagine un cochon nager dans le bayou. J'ai tenté de quitter le culte une fois. Mais c'est vraiment bête la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, je ne le referai plus. Parce qu'en fait, je me suis tout simplement rendu compte que toute ma vie tourne autour du culte. Et que sans le culte, je ne suis rien. Que donc, je ne peux même pas le quitter. Et si tu as des gens qui t'aiment, tu as la paix. J'ai une famille maintenant. Oui. Certains... Une famille heureuse. Dont chaque passage dans le couloir me fait un froid dans le dos, mais une famille tout de même. Et c'est mieux que rien. Et tu n'auras rien, pauvre. Il n'y a plus rien qui t'attend à part des brochettes de croco-cochons. Des questions? Ça a été quoi ta réaction par rapport aux enquêtes? Aux enquêteurs, pardon. J'étais rassuré par le fait que de toutes les personnes, ils aient interpellé Maxime. Puisque je me dis que je préfère qu'ils aillent plutôt déstabiliser cette partie-là du culte, qui est pour moi parasite, plutôt que le reste qui, elle, est beaucoup plus... noble et avec une foi réelle. Les rêves, c'est des bites. C'est des bites partout, des champs de bites. Ouais, des bites avec des furoncles. Des bites avec des furoncles. Là-bas, il y a un nichon. Là-bas, il y a un furoncle. Est-ce que j'ai su. Est-ce que tu m'as dit déjà que tu voulais quitter ou alors que tu avais des doutes ou voilà. Et est-ce que j'ai su peut-être te ramener dans le troupeau ou... Je ne te parle jamais. Si je te parle, c'est parce que tu as lancer la conversation. Je t'évite. Je te pose une question, Grégoire. La moindre des choses, c'est de me répondre. Du coup, je suis dans le déni. Mm-hmm. Déni de crocodile. Dans une voiture abandonnée. Ou qui appartenait à... Adrien. Oh. D'autres questions? Not much. Nous passons donc à la dernière étape. Le rituel final a lieu. Œuvres-tu pour sa réussite ou son échec? Les instructions, ouvrez maintenant l'enveloppe dernier acte, lisez son contenu à voix haute, et suivant les étapes. Du coup, dans votre infini, vous allez choisir entre la carte loyauté ou la carte trahison de votre côté. Et faut pas le donc, dire. Non, faut pas le dire en autre. Quoi qu'il m'en coûte, j'œuvre pour la réussite du rituel final, ou quoi qu'il en soit le prix, j'œuvre pour l'interrompre le rituel final avant qu'il n'arrive à son terme. Les gens, vous allez voter dans le chat. Ah non, est-ce qu'on fait un pari? Ah mais non, parce qu'il peut y avoir plusieurs personnes. Et vous pouvez pas parier pour plusieurs personnes. Donc, qui va trahir? Grégoire. Donc, je mets Croco, hein. Quentin. Donc, Mascox. Alexander. Maxime. Ou Maxime. Masquet. Basket. Choisissez bien, en votre âme et conscience. C'est bon, vous avez choisi? Mettez vos cartes là, respectez l'ordre de... Attends, Mettez-le comme ça. C'est que vous choisissez. C'est cool ça. L'heure de la vérité a sonné.
Alors que nous entamons la cérémonie, la tension est à son comble. Tout va se jouer maintenant. Parviendrons-nous à accomplir le rituel correctement ou serons-nous trahis par certains membres au risque de le payer de notre vie ? Chacun de nous choisit secrètement une carte loyauté ou une carte trahison et la pose devant lui face cachée. Quand tout le monde a choisi, nous faisons un tour de table où chacun révèle son choix sans en dire plus. Nous déterminons si le rituel a été accompli correctement ou non. Trois possibilités. S'il y a plus de cartes loyauté que de cartes trahison, s'il y a plus de cartes trahison que de cartes loyauté, ou s'il y a autant de cartes trahison que de cartes loyauté. Grégoire, alors pour le Jean, Quentin et Grégoire qui trahissent. Et moi, il y a peu de chance. Grégoire. Attends, tu ne dis rien. Grégoire a trahi. Son of a bitch. Quentin et le voyant. That's good. Fake. Alexander face. Et le voyant. Et of moi. Of course. Des choses like. Loyal, évidemment. Donc plus de cartes loyauté que de cartes trahison. Le rituel est couronné de succès. À tour de rôle, nous racontons un épilogue. Si tu as été loyal, décris comment ta vie a profondément changé depuis le rituel, quel sens donnes-tu à présent ? Fais-tu encore partie du culte ? Si tu as essayé de saboter le rituel, décris comment ton plan a échoué. Si tu as survécu, à quoi ressemble ta vie alors que le culte est sans doute à ta poursuite ? Le rituel a réussi. Et moi, je passe maintenant mon temps dans les contrées du rêve. Je n'ai pas obtenu de récompense. Il n'y a pas de récompense dans ce monde immédiat, en tout cas. C'est un nouveau monde que je parcours, que je cartographie, et dans lequel j'essaye de survivre. Et je n'ai pas trouvé de sortie, mais je n'en cherche pas vraiment. Et je fais plus vraiment partie du cul. Je me suis un peu désintéressé de ça, je vis ma vie là-bas. J'ai trahi et je m'attendais à avoir des alliés dans cette trahison. Des gens qui justement m'avaient amené à penser que cette foi était fausse et était biaisée, mais apparemment, ils m'ont peut-être utilisé à d'autres fins. Quels autres éléments je devais mentionner en vrai ? Bah, est-ce que t'as survécu ? Qu'est-ce qui s'est passé pour la boîte ? Je n'ai pas survécu, mais étant l'un des seuls qui est en trahi, j'ai été très rapidement jeté au Zachary. Crocochon. Voralan, pour acheter le jeu, vous pouvez passer par l'un des liens effectivement qu'il y a. Nous sommes en partenariat avec GameSpirit où vous pourrez l'avoir avec une grosse réduction en faisant le code GlobiReduc. Mon cher Quentin. Bien entendu le... L'Alligaport. Ça marche trop bien. Alligaport, c'est le meilleur. Alligaport, c'est trop bien. Crocochon, c'est cool. Crocochon, c'est mignon. C'est mignon. Alligaport, ça fait peur. Ça fait vraiment. L'Alligaport, c'est lui qui gère les crocochons. Bah, le crocochon, c'est celui de Oz. Et l'Alligaport, c'est. Bien entendu, le rituel final nécessite un ultime sacrifice. Neltenbath, oui. Qui est donc une sorte de. On consomme, en gros, une âme perdue. Et c'était pour ça que, en gros, les fondateurs sont arrivés pour semer une sorte de discorde et saisir les non-rêveurs. Ceux qui n'avaient pas assez d'ambition et qui ne voyaient pas assez loin. Ils ne voyaient pas les furons. Et Grégoire était dans le culte, cette personne-là. Cette brebis égarée. Et qui a été sacrifiée. Maintenant, je gère entre état physique et sorte de je fournis Maxime en provision dans le monde qu'il parcourt. Il sait quand est-ce qu'elles arrivent, ces provisions, et il sait d'où elles viennent. T'as fait une sorte de cantine, quoi, en fait. Ouais, exactement. Ouais. Et ce qu'il fournit, d'ailleurs, c'est petit bout par petit bout des morceaux de Grégoire. Trop bien. Moi, je pense que du coup. Je connais ces bruitages. moi, du coup, à partir du moment où on arrive dans les contrées du rêve, là,
je sens que tout était vrai, que tout est... Voilà, qu'on avait raison, et je pour moi, on est au début d'un nouveau... Une nouvelle ère. Direct dans instant. Ce monde est merveilleux. Un T-Rex avec une tronche de crocodile. Et pour moi, je renverse le pouvoir en place du culte. Et en fait, ma folie d'avant se concrétise là maintenant. Je pense que je vais épargner Quentin qui s'est trouvé être un allié formidable. Mais c'est moi qui fait en sorte que tu décèdes dans d'atroces souffrances. Et je fais en sorte de continuer notre culte, mais c'est le règne de la terreur, très peu d'élus. Et je fais en sorte que d'être le... Comment on appelle ça? Le gatekeeper, tu vois, comment on appelle ça? Le le gatekeeper, ouais, merci, voilà, c'est fini. Hein. Et j'essaye de m'élever en tant que chef du culte, au-dessus des autres. Très bien. Rituel est pas sur le site de Game Spirit. Ah! Eh bien écoutez, passez par Game Spirit pour acheter d'autres trucs. Vous pouvez le trouver sur Philibert. Il y a un lien Philibert qui est en bas, malheureusement. Ça, c'est un peu dommage, Game Spirit. Mais il doit être en boutique, par contre, peut-être. J'espère. Sinon, il y a peut-être le créateur en direct qui peut en avoir. C'est vrai que le créateur. Mais après, c'est vrai que. Je sais pas s'il est là, le créateur. J'ai dit Game Spirit ? Non, Philippe. Très très cool. J'ai trouvé que c'était vraiment bien parce qu'il y a vraiment ce côté. Je trouve qu'il y a la narration. J'ai eu peur au début, mais en vrai, je me suis dit merde, mais c'est trop. Ah ouais, c'est hyper fluide. La narration. Le fait est que le jeu est tellement simplifié par les questions, etc., qu'on n'est pas dans. C'était Penny for Your Thought qui était beaucoup plus dur à faire. Ouais, parce que la narration était partagée, mais en fait, j'avais vraiment l'impression que la narration voulait que je baise la gueule des autres. Et j'avais pas envie, en fait. Là, j'ai jamais eu l'impression qu'on baisait la gueule des autres parce que on lançait des pointes ou des piques. Enfin, des perches ou des piques, mais en même temps. Et vu que le but était le même, et vu que le but était commun, ouais. Techniquement, on n'avait pas vraiment de raison de se foutre sur la gueule. C'est juste qu'on crée des dramas comme ça. C'est des accroches dans un. C'est juste des accrochages et. Y a pas d'autres. Mais en vrai, j'ai trouvé excellent. J'ai vraiment trouvé excellent. C'était un très bon moment. J'espère que vous avez passé du. C'est trop parce que les règles sont compliquées à lire entre guillemets en mode à comprendre, mais en fait le jeu il est ultra intuitif en fait. Ah oui, t'as juste à lire les règles, et puis même les règles sont franchement simples, hein. Et le fait de les mettre sur non, mais c'est, c'était quand on te les lit comme ça, on finit une phrase que t'as déjà oublié le début, et en fait finalement quand tu vois une partie, t'es en mode, bah en fait c'est super simple. Et donc je précise que le créateur du jeu, donc Nicolas Levif, si je dis pas ça, Levif, je crois, oui. Levif, ouais, a fait d'autres jeux dans le même genre, mais il m'a confié. Voilà, je révèle la discussion privée, mais que voilà, il était particulièrement fier de celui-ci. Et c'est avec grande raison, parce que vraiment. En vrai, il est vraiment très bon. Moi, je vais le dire, je vais pas ranger dans mon étagère jeu de société, je vais le ranger dans mon étagère jeu de rôle, parce que c'est vraiment un très bon jeu de rôle. Je trouve que c'est une très très bonne initiation pour les gens, parce que déjà, en plus, le jeu permet de limiter la partie en disant ça fait 2 heures, ça fait 1 heure. Alors je sais pas si ça a duré 1 heure ou plus. C'est après question, nous on attendait, on a pas mal discuté, etc. Et développé. On a fait quasiment 2 heures. Hein. Ouais. Donc voilà. On a développé. Pour combien là? Quoi? T'avais pris des cartes pour 2 heures, une heure. Ah ouais. Ah mais après. J'aurais bien aimé que ça dure plus longtemps. Mais en fait ouais, avec bien. Des quand t'es avec des rôlistes, enfin quand t'es avec aussi, des gens qui sont moins habitués à créer des histoires, oui ça va durer peut-être moins longtemps. Je pense que les gens vont juste répondre à la question. Ouais. Et c'est tout. Et quand t'as des gens qui veulent étoffer, qui veulent broder, En fait, je trouve que c'est un bon entraînement au RP et à l'impro parce qu'il y a vraiment ce côté de. Il faut que tu acceptes une info et que tu rajoutes par-dessus, et il faut jamais que tu refuses l'info qu'on vient de te donner. On est dans l'impro et de la bonne impro, donc c'est vraiment cool. Et autre truc, je trouve que c'est un super déclencheur et une super base d'idées pour créer un scénario. Ouais, c'est vrai. Oui. Il y a le vraiment le quatuor de personnages, genre lui que je manipule, toi qui fous la merde et lui qui est un peu en mode. Pour moi, t'étais un peu le héros du truc. Vous deux, vous pouviez être un peu le héros. Je bute des gens. J'adore. Ouais, mais toi, tu butes des gens, mais peut-être t'aurais été le mentor du héros. Moi, j'étais carrément le méchant, c'est sûr. Ah, c'est Émilie de Verdandais qui a dessiné. Ouais, j'ai déjà vu. Je sais pas si vous voyez bien, mais. Bah, non, carrément pas, mais ouais. Merde.
Ils sont incroyables, en vrai. Ils sont, parfaits. Croco-poule, croc-canard et croc-cochon. Putain, on a un croco-poule, du coup. Il y a un croco-poule, du coup, ouais. C'est incroyable. Oh, bien. Du coup, merci beaucoup, Émilie Verlandais. Ils sont vraiment incroyables. Tweetez-les. Je pensais qu'on allait voir mettez-les un sur le Twitter monde des rêves, et, mais et c'est pas le sujet, mettez, c'est surtout le cul. Après, vous l'avez vu un petit peu par mon biais, mais très peu, finalement. Après, parce qu'après, moi, par exemple, je connais pas du tout, j'allais pas me lancer dans des trucs que je maîtrise pas du tout, tu vois. C'est ça. Ah, je me suis plus concentré sur le setting, moi, le côté alors, de Bayou et tout. Les gens c'est pas forcément intéressant de savoir. Écoutez, je vais vous le dire, je suis aussi en partenariat avec Ori Games, et du coup, nous ferons Alice is Missing en live. Je précise qu'à la base, c'était pas prévu parce que on n'a pas pu se mettre d'accord sur un budget. Mais je le ferai gratuitement parce que vraiment, le jeu est vraiment bien. Mais on le fera en deux fois. C'est-à-dire qu'on fera d'abord la partie de notre côté et vous, vous aurez accès à la partie qu'on aura déjà fait avec nous qui nous doublerons en live, en fait. Donc, parce qu'en gros, c'est un jeu qui est 100% silencieux et que à l'écrit. Donc, c'est un peu compliqué pour les gens de suivre. Voilà. Oui. Donc voilà. By the way, tu comptes toujours rouvrir les participations pour la mine exquise? Oui. Si vous pouvez voulez participer à la mine exquise, vous pouvez toujours participer pour la mine exquise. Ne vous inquiétez pas. Je réouvre la mine exquise, exceptionnellement. Alice Missing, c'est pas impossible à faire en live vu que c'est basé sur les méta. Voilà, on est d'accord. Ça fait longtemps que je voulais le faire. Je crois que j'ai pas la version. Si, j'ai la version originale, mais en PDF. Et donc là j'ai reçu la version papier qui est cool. On a d'autres jeux qu'on pourra faire une prochaine fois. Les autres jeux, je vous en parle parce qu'ils sont vraiment bien aussi. On va peut-être pas en faire là en live, mais ils sont vraiment bien. Le premier est très très simple. Il s'appelle Maudit Maudit. C'est vraiment comme pyramide, c'est-à-dire que vous devez faire deviner des mots en un certain nombre d'indices. Donc par exemple, je vais dire canon. Eux, ils vont dire boulet ou poudre. Après, je vais dire reine. Du coup, ils vont mêler canon et reine et dire château ou beauté. Et du coup, à la fin, on va dire flocon. Et du coup, ils vont faire neige. Parce que canon à neige, reine des neiges, flocon de neige. Et donc, le mot, c'était neige. Et du coup, c'était de le faire en trois. Et donc, ça, c'est vraiment bien. C'est plus du jeu fun à ambiance. Très, très cool. Et l'autre. Oh, ça va bien pour ce jeu. Je pense qu'on le fera, mais on se mettra en costume et tout pour la peine. Il s'appelle Russian Roulette et c'est un jeu de bluff et de triche et un mix entre un poker et un jeu de bluff, quoi, tout simplement, mais où on va discuter, etc. Sur la roulette russe, tout simplement. Le matos est très très cool, en vrai. Donc voilà. Tout ça, c'est du très bon. Vous pouvez y aller sans aucun souci. Et les trois jeux sont sur Philibert, je le rappelle. Et n'hésitez pas à aller voir celui-ci sur GameSpirit. Je rappelle que sur GameSpirit, vous avez 10% de réduction ou moins selon les objets. Mais en tout cas, vous pouvez acheter du Magic. Vous pouvez aller dans la boutique à Lyon, aller les soutenir. Et vraiment, je remercie GameSpirit parce que ils vont permettre des trucs très 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 cool. Dites-leur que vous venez de notre part. Bientôt, donc voilà. Et le code, je rappelle que c'est GloobyReduc. Alors du coup ça va faire... En vrai on les a vus à Octogone, ils étaient super sympas. Oui. Deligapor, vous voyez un petit peu là. Alexis va beaucoup l'aimer. Merde, il est trop classe, fais voir. Trois doigts. Trois doigts. C'est pyramide ça. C'est pyramide tout à fait, mais en version vraiment plus dure et cool. Il y a plein de trucs vraiment intéressants. Bonjour, je viens de la part du gros cochon. Pas de masque, pas de toit, pas de toit. D'ailleurs, c'est une pas de ligaport. Très très cool. En tout cas, je pense que Rituel peut être fait en live sans aucun problème. Par contre, je pense que le fait d'être autour d'une table est vraiment nécessaire. Il faut une connexion à distance, c'est vraiment moins fun. Voilà. Voilà. J'oubliais pas plusieurs choses. Demain. À 21h, s'il vous plaît, venez assister au live Projet Fantôme en live dans une forêt. C'est un live qui est compliqué à organiser, qui ne plantera pas normalement, on croise les doigts. Il n'y aura pas de pluie. Alors, normalement, putain, niveau pluie, on est safe, on a regardé. On vérifiera, on verra. Normalement, pas de pluie. Normalement. Une connexion safe as fuck parce que ce n'est pas de la 4G, je le répète, c'est un réseau wifi en fait dans toute une zone, enfin je peux pas décrire vraiment la zone, mais voilà,
il a expliqué. Il y a un réseau maillé. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Il y a un truc. Ensuite, ça commencera à 21h. Par contre, je précise, on commencera dardard parce que notre rendez-vous avec la personne est à 21h. Et moi, je dois setuper avant, mais j'ai vraiment pas beaucoup de temps parce qu'en gros, on doit valider nos accès pour y aller. Donc du coup, ça nous laisse très peu de temps pour setuper, lancer le live. On commence... Enfin, si on commence pas à 21h, c'est qu'on commence à 21h02, quoi. Donc non, c'est bon. C'est un RJ45 de 2 km de long. Je ne peux pas y aller. L'idée me saoule. Je me suis pris épée. Par contre, si je peux vous dire un truc qui est réel par rapport au truc, c'est que le live n'est pas dépendant des normalement n'est pas dépendant des répéteurs. C'est-à-dire que c'est plus moi qui suis la caméra qui suis dépendant des répéteurs. Du coup, s'il y a des bugs, ils seront très 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 faibles. Maintenant, c'est possible que le réseau se relance de temps en temps. Il m'a expliqué, en gros, ils ont des trucs. Normalement, ça ne devrait pas arriver parce que c'est vraiment rare. C'est une ou deux fois par jour. Et du coup, le réseau s'arrête, reprend. Donc, si ça fait ça, normalement, c'est bon. Par contre, la caméra peut avoir, effectivement, elle est reliée en Wi-Fi simple à un truc où là, par contre, on a un répéteur, mais la portée, elle est genre 5 ou 6 km. Je ne ferai pas 5 ou 6 km. Donc, ça devrait le faire. On va faire quoi, genre 150 mètres, grand maximum. Donc voilà. Un rendez-vous avec une personne, ça me rappelle Projet Fantôme 1. Bah, on est dans le même genre de lieu, hein. C'est quelque chose qui est. C'est un lieu un peu. Enfin, il y a vraiment un cadre légal, je peux pas tout dire. Par exemple, pour vous donner une idée, le mec m'a bien donné des instructions pour y aller. C'est-à-dire que je ne peux pas y aller avec un GPS. Il m'a donné juste des instructions. Déjà, venir avec un robot, c'était... Le Airbnb qu'on a est à genre 1h30 du lieu. Alors, je dis 1h30 du lieu. Je ne sais pas. C'est peut-être plus loin. Je ne sais pas où est le lieu exactement. C'est un bordel monstre. Bref, c'est demain, 21h, ne manquez pas ça. Vendredi et samedi, ne manquez pas non plus le double JDR. Je préviens avant, je vais reparler avec les joueurs et je le redirai au début du live. C'est pas un scénario rigolo. C'est un scénario qui est hardcore, qui va sur des thèmes extrêmes et qui va très loin. C'est vraiment pas pour tout le monde. Donc toutes les thématiques que vous pouvez imaginer peuvent être traitées. Donc si vous avez des problèmes avec certains thèmes qui peuvent être abordés, alors ça n'abordera pas directement tous les thèmes. Normalement, je précise, voilà, mais il y a beaucoup de thèmes limitrophes. Donc tout ce qui est... voilà, je vais dire des thèmes, peut-être qu'ils seront abordés, peut-être pas, mais si ces thèmes-là vous dérangent, bah, imaginez, mais voilà. Tout ce qui est viol, tout ce qui est... modification corporelle lourde, tout ce qui est suicide, tout ce qui est inceste, tout ce qui est... si Berserk violence, vous dérange. Voilà, ah, si oui, Berserk vous dérange, ça vous dérangera. Je vous le dis, c'est... Après, même quand t'abordes ce genre de thème, c'est tu ça, fais quand même fais. De les manière Globetopus qui est jamais. Merci beaucoup. C'est voilà. Jamais de manière grossière. Donc ça va être violent, ça parlera de sujets graves et ça sera pas rigolo, mais. Enfin, ça sera rigolo, je pense qu'il y aura quand même des moments où on rigolera, mais voilà, je précise tant que ça parle pas de frelons, moi ça, tout à fait. Donc je le dis, je le préviens, c'est pas un scénario light. Oui, dans les Delta Green, les lives, on y était, mais ça. Oui, et c'est ça, dans les lives Delta Green, bah vous voyez, Delta Green, les sujets que ça peut aborder, c'est un petit peu ça. On n'est pas dans... Enfin, on est dans du sombre, très sombre, mais vous savez qu'on est, on va pas traiter ça de manière hardcore. Mais maladroite. Oui, oui. Et si on a écrit une BD sur ces sujets basés sur nos kiffs, ça va. Donc voilà, on est sur du Caleb Talks niveau hardcore. Ouais, un peu. Un peu. Bah alors c'est pas God Steve, mais après God Steve c'est particulier parce que c'est différent. God Steve est violent. Honnêtement, je vais pas faire genre. Mais ouais, c'est vénère. Sur ce, bisous. Il y a un croco. Merde, il est trop chou. Attendez, je peux pas le cadrer. Il est posé. Il est dans son petit marais genre. En vrai, ça fait peur un peu. Il est trop bien. Mais tweetez-les, hein, les gens. Oui, c'est vrai, mettez Globtopus et tweetez-les, on les retweetera.
Ça sera un genre un petit peu aussi Arkham PI à la fin de la saison 1, non? Ouais, ça peut être ce genre-là. Voyez, c'est, ça va loin, et vous vous faites « Ouh, fuck !» Et il y a des moments où les joueurs vont certainement être mal à l'aise. C'est le but. Maintenant, je me suis assuré avec tous les joueurs et joueuses que les thèmes en question ne sont pas des thèmes problématiques pour eux. En tout cas, pas direct. C'est-à-dire que c'est possible que ce soit des thèmes problématiques pour eux, mais qui m'aient dit « Tant que c'est pas ça et ça, c'est bon. Et ça ne sera pas ça et ça. » Voilà. Donc voilà. J'ai hâte. Ça me rappelle le cadreur, lui, il a tous les trucs et il déteste. Alors, le JDR One Shot, une famille, et d'ailleurs, où Mascox était, une famille, une étrange famille, était, par contre, là, pour le coup, j'estime qu'il n'était pas hardcore. Il était touchant, mais il était triste. Émotionnellement hardcore, quoi. Contrairement à Cult ou... Disons, comme ça tape sur certaines émotions, ça peut être paraître plus violent pour certaines personnes. Pour moi, c'était violent, mais c'était violent beau, tu vois. C'était violent, genre, oh mon Dieu, c'est horrible, ce qui se passe. Ouais, mais ça serait surtout les idées et pas le genre de truc en soi en plein dans la tête, quoi. Eh You'll see. voilà, mais le contrat social, c'est un truc important avec mes jeunes joueurs, j'ai l'habitude. Tout à fait, c'est vraiment important. Maintenant, bon, je connais mes joueurs et joueuses. Je sais aussi... Comment leur faire du mal de manière adaptée. Nous, on attend que ça. C'est ça. Là, il y a des joueurs et joueuses avec qui il y avait des sujets qui étaient, comme j'ai dit, un peu limitrophes. J'en ai parlé et normalement, c'est bon. Après, on verra bien. Hein. Il y a peut-être un moment où vous avez... Oh, non. Donc, voilà. Donc, ça parlera essentiellement de Heineken. Oh, putain. Je suis désolé, Mascox. Et d'Anti ASMR. Ça fait très chier. Ah non, je pense que c'est genre, c'est juste, ah ben voici le dernier truc qui est passé aux infos sur la ASMR. Oh non, non, ils vont encore faire de la grosse merde. C'est quelqu'un qui fait de la ASMR comme ça. Et n'oubliez pas deux autres choses. Dimanche, on se fait une découpe de citrouille. Il y a quand même une citrouille qui fait 15 kilos, je pense que vous voulez être là, pour voir cette citrouille de 15 kilos. Rien que la voir. C'est une petite récompense en soi. Mais à choisir, je préfère que les gens viennent pour le live de demain. Oui, on est d'accord. Oui, de tous les lives. Le live JDR en live, c'est cool à voir en rediff ou en live. Moi, je pense même que le live JDR en live sont parfois mieux en rediff. C'est mon avis, perso. Mais bon. Mais par contre, là, le live de demain, bah, c'est un petit peu comme le live d'hier où c'est des lives à... Enfin, ça à vivre. On ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas les problèmes, mais on ne sait pas les catastrophes. Enfin, même s'il pleut, hein, qu'on soit clair, on le fait. Les gens voudront dire, voilà, on a été là. Donc, on était là quand d'un coup tout s'est coupé là. Oh, Maxime on était mort. Là quand Maxime est mort. quand il s'est fait piquer par un truc. Ouais. Et puis même, au-delà de ça, c'est le fait que ce live-là, c'est beaucoup d'efforts que nous, on ne peut pas... Enfin, s'il n'y a pas des gens qui viennent, on ne leur fera jamais ces efforts-là. Mmh. Et c'est trop con parce qu'on est trop content de faire ce genre de live. Donc... J'étais là quand du slime est sorti de l'ordinateur. Ouais. C'est typiquement le genre de live qui a tellement d'entertainment, il y a tellement de trucs qui se passent. Et je précise aussi que c'est un test pour Enquête Troublante. Donc c'est l'occasion aussi de faire des retours par rapport à ce que vous verrez demain, parce que du coup il y aura, vos retours seront importants. Donc faut le voir. Après il y aura une rediff. Je précise que la rediff, on la montrera parce que enfin je peux pas pré-shot. Ce qui va se passer pendant je sais pas alors live. Normalement c'était c'est un live de 10h tout simplement on a signé pour 2h donc ça sera peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, je ne sais pas, mais toujours est-il qu'on va remonter ça pour en faire quelque chose de plus proche après des projets fantômes en fonction de ce qu'il y aura. Par contre ça va pas sortir tout de suite, d'abord on a D&D à faire. Est-ce que je peux vous montrer une image de D&D? Je crois que oui, attendez. Méconnaissable. Je vois pas de quoi tu parles. Absolument pas. J'avoue que là je me vois dans le retour et du coup c'est chaud en fait. Bah dis-toi que nous on vit ça depuis un petit moment maintenant là. Là c'est pas la première fois. Disons que le teint vert me scie à ravir. Ah, ça nous scie les jambes. Les jambes de crocodile. Tout à fait. C'était quoi la Ligapore? Tellement incroyable, c'est le crocochon. Bah en vrai, Ritual, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment vraiment aimé. Oui, c'est très cool. C'est vraiment très chouette. Il vous regarde, il a l'air un petit peu fatigué. Il sourit, ses dents sont noircies et
Il a le regard très fatigué. Incroyable. Oh là là, il est fou. Ça défonce. Ça a très bien marché. Pas mal. Le peu que ça a bougé, ça m'a fait faire « Oh, oh, c'était qu'une image oh avant. Elle ne pouvait pas m'atteindre. Mask of Goblin n'existe pas. Voilà. Mask of Goblin. Putain de merde. Alors, on a... je tiens à dire, je me suis lâché, je me suis marré comme... c'est une des saisons où je me suis le plus amusé. On sait, elle est très drôle, elle est très fun. Et niveau costume, on a quand même... Je pense que on là, tout donné. On a tout donné. Tout donné. Voilà. Il y a un truc qui me fait beaucoup rire, c'est du coup, j'ai revu Trois Inconnus sous ta recommandation. Ouais. Et à la toute fin, tu dis, alors à la base, pour Meok, on voulait faire un costume de clown, mais on s'est dit, le maquillage, ça allait être embêtant, plus de 3 heures. Et j'ai pensé de suite à ça, j'ai fait un mode, alors là... C'est là, niveau décor, maquillage, costume, c'est genre le truc le plus stratosphérique qui a jamais été fait. Ouais. 10-11 heures de tournage, plus 3 heures de maquillage, c'est ça ah, donc, le maquillage des masques, c'était entre 2 et 3 heures. Ouais. Le c'est Zou, hein, Zou, ça dure longtemps. Ouais. C'était plus de 2 heures de prépa de costume. C'était pas que c'était méga chiant, c'est juste qu'il y a toute la création et tout ça. Et le costume de Meok était chiant à trouver exactement, mais il y avait beaucoup... Elle a dû faire ça Nathalie. Elle-même. Mais du coup, le costume de Zou, vous verrez, c'est du fait main par moi. Le costume de... Enfin, le maquillage de Mascox, c'est pareil, moi qui l'ai fait. Le chevalier d'Ardent qui est dans le coin. Ouais, tout à fait. Et Meok, c'est un mix entre des trucs que j'ai buildés ensemble et de Meok et de chevalier d'Ardent qui est allé. Donc voilà. Ça sort quand pour les tipeurs? Ça sort le mois prochain pour les tipeurs. Pas trop dur à tenir tout le tournage. En vrai, je crois que ça allait, c'était ça plus va. Le nez qui était désagréable. Alors, en fait, c'était pas désagréable. En fait, ce qui était vraiment le plus désagréable et le truc qui m'a vraiment fait le plus chier, c'est que, en fait, dans ce costume-là, je suis incapable de faire quoi que ce soit de normal. C'est-à-dire que donner un coup de main pour les setups, c'est ce que je fais régulièrement et que... Oh, l'excuse pour pas ranger les câbles. À un moment, il nous a raconté une histoire d'explosion de pierre. En plus, c'était infect. Non, je ne veux pas tourner, j'ai peur. J'ai peur de mourir. Mais après, ça fume bien quand même. T'avais qu'à faire comme moi, avoir littéralement un mec en armure qui un garde du corps qui était littéralement mon garde. Mais bon, je vais y aller dans c'est vraiment le mec qui arrive et qui fait « Ah, ça brûle bien quand même. » Non, c'était... j'étais pliante. C'était pas si dur que ça, mais vous aurez plus de détails au live privé. C'est vrai. Qu'est-ce que vous faites encore là plus. Je rappelle deux choses. La première, c'est qu'il reste très peu de temps pour participer à l'offre d'Halloween. Après le 31, c'est fini, l'offre à 33€. Mais surtout, si vous typez 30€ ou plus ce mois-ci, je rappelle que vous avez aussi... C'est quand même une sacrée... Bonjour et merci, LDSJ. Vous venez à la fin du live, mais c'est pas grave. Je rappelle que c'est le dernier moment pour profiter de l'offre d'Halloween qui est à 33€, mais que du coup, si vous typez 30€ ou plus, vous avez accès à la réunion, au live privé qui sera avec Baki, Alexis, Mascox et Zou le 13 novembre, si je dis pas de bêtises, le dimanche 13 novembre, et vous avez en plus accès à la rediff de celle du mois. Et franchement, ces lives-là sont toujours très fun et vous apprenez plein de choses qu'on dit pas jamais. Et venez, en vrai. C'est vrai. Et c'est des trucs qu'on peut pas forcément dire publiquement. Ouais. Donc, c'est des trucs cool, mais qu'on n'ira pas mettre sur YouTube. Tous les propos très limites de Mascox, tout ça. Ça, vous le saurez. Le côté absolument insupportable du fait qu'on est obligé de vraisemblablement l'isoler d'Alexis. Le fait que vous ne voyez jamais les pieds de Krogo parce qu'il a des dick feet. Baki se mettra nu, il l'a dit dans le chat. mais en vrai, franchement, vous, en plus, sincèrement, le live post-apo, il y en a à dire. Il y a vraiment de quoi dire. Il y a vraiment, vraiment beaucoup. Il y a même des choses que les joueurs ne savent pas parce que c'est des trucs qu'on a fait bien avant. Donc c'est vraiment cool. Quand ils ont admis un meurtre sur Discord, c'était Chad, honnêtement. Chaud, ouais. Non mais l'histoire quand on a brûlé la mère de Grégoire, allez, va nous en plus. Allez, c'est bon, arrête de faire la gueule. Ouais. C'est pour ça que tu t'appelles Croco. Parce que t'es des croquettes à Croco. Croquettes à Croco. Elles sont pas chères, elles sont bonnes. Comme ça. Et donc venez au live, vous aurez les premières impressions de Baki sur le tournage de Sombre Machination. Ça, salut bien. Dark va dormir. Je pense que ses premières impressions à Baki, c'est genre oh mon Dieu, mais pourquoi, mais qu'est-ce qui c'était un vraiment dernier bien. Rappel, on finit le live ici, mais du coup, allez découvrir Sombre Machination si vous ne connaissez pas. En ce moment, il y a une saison post-apo qui est incroyable avec des costumes de ouf, un décor de ouf.
Allez découvrir aussi la saison qui est en ce moment sur le Tipeee qui s'appelle Une heure sans fin, qui est pour beaucoup dans le top 3 et voire même le top 1 pour beaucoup. Elle est vraiment excellente, elle est fun. Oui, elle, merci. Elle est excellente. Mais... Et je rajouterai un truc, allez nous soutenir maintenant, parce qu'il y a des gens qui attendent et qui se disent non mais je regarderai plus tard, mais en fait on a besoin de vous maintenant, et c'est en fait quand on fait un truc, si on n'a pas de retour dès maintenant, on le fera plus jamais, on le fera pas dans un an, donc ça sert à rien de venir dans un an nous dire je viens de découvrir Sombre Machination, c'est vraiment du beau travail, on le sait. Ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui mettent un délai pour venir et c'est un peu dommage parce que bah, je sais, vous voulez voir par exemple découvrir les lives avant ou des trucs comme ça, sauf que live c'est une quantité incommensurable de contenu, alors que Sombre Machination, bah, c'est vraiment regardable tout assez facilement en 2 ou 3 semaines, comme oui, les gens l'ont dit, et en vrai ça vaut le coup de découvrir. Bref, bisous 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 partout, à demain pour le live le plus ouf qu'on ait fait depuis extrêmement longtemps. Et ne ratez pas ça à 21h pour un projet fantôme en live à 21h. À tout à l'heure. Nous, on va ranger. En fait, ici, on n'a pas besoin de ranger grand chose. Il y aura le JDR. Caméra est déjà là. Oui, parce qu'il y a un truc de merde. Mais je vous en reparlerai. En fait, on voulait utiliser la caméra de tournage des lives qui doit être par là d'ailleurs, qui est très bien, qui est 4K et tout. Sauf qu'on ne peut pas parce que le truc. En fait, on ne peut pas fixer le truc. Le transfert HDMI parce qu'il est trop gros et la prise est trop petite dans les caméras modernes, en fait la fixation qu'il y a dessus est beaucoup trop petite, enfin faut forcer, elle tient pas le poids quoi. On est obligé de reprendre l'ancienne caméra, c'est tout, c'est comme ça. Bien, après elle a des modes intéressants, donc on verra ça, on verra. Bisous 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 partout, ciao. Faites de beaux rêves, bye bye. N'oubliez pas que ne rêvez pas de furoncles, on va tous rêver des furoncles. Non. Non. À bientôt et découvrez Mir si vous n'avez pas découvert Mir, c'est vrai. Mir. Et la vidéo de présentation Mir est très cool. Vous êtes le mec de Globtopus. Ah, c'est le mec de Globtopus. Mais c'est vous qui rêvez de furoncle. Mais c'est le mec de Mir. Bisous. Était incroyable. Ouais, c'était vraiment fou. Merci beaucoup. À bientôt. Tweetez-le. Bye.